Ça marche. Bon, ça marche. Ah bon, il y aura un son désagréable qui vient de chez moi, mais là c'est bon, c'est terminé. C'est raté. Ouais, c'est parce que j'avais le YouTube en plus. Merci de l'avertissement. Merci. Bon, est-ce que ça marche? Ok, ben on va commencer. C'est bon, François? Impeccable, quand vous voulez. Ok, ça marche. Ben, bienvenue à toutes et tous pour cette quatrième conférence proposée par le groupe Normand de la frugalité, heureuse et créative. Comme sur les précédents épisodes, je propose un extrait, on vous propose un extrait du texte, du manifeste. Qui date de janvier 2018, là, qui parle en l'occurrence là, de frugalité en matière, et on voit citer la solution de terre crue que l'on va aborder ce soir sur ces différents aspects avec François Astreif. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Pour répondre à Jérôme, oui, sur Zoom, le message normalement a atteint sa limite. Mais on peut le suivre en direct sur YouTube. Il y avait eu un certain nombre d'informations diffusées. Sinon, vous allez sur le YouTube de la frugalité, mais vous qui êtes là, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez suivre sur Zoom. Je m'appelle Sylvain Tessier, et donc je suis l'animateur pour la Normandie du groupe de la frugalité. Alors, le groupe de la frugalité, c'est l'ensemble des personnes qui ont signé le manifeste. Qui se reconnaissent donc dans ce manifeste et qui sont intéressés par les thématiques autour de la frugalité. Je vais être assez bref ce soir pour laisser la place à François. En Normandie, les signataires de ce manifeste sont
environ 271 membres répartis sur toute la Normandie. Voilà, avec, on le verra un peu après, des groupes locaux qui se créent pour relayer au plus près des territoires, les thématiques et puis surtout les actions menées autour de la frugalité. Pour rappel, vous pouvez retrouver sur le YouTube de la frugalité en Normandie et bientôt sur le YouTube de la frugalité, on va dire, générale, nationale, les vidéos des conférences. Donc pour l'instant, on a proposé quatre thématiques. Premièrement, avec Frédéric Denis, c'était en janvier, sur un tour d'horizon sur les solutions autour du bois, de la terre, de la paille et du réemploi. Donc avec toujours des retours d'expérience. En février dernier, c'était les cocottes urbaines d'un architecte paysagiste qui nous parlait de la gradation des terres voilà, comme un remède pour des paysages résilients. Le 8 mars dernier, une des co-autrices du manifeste, Dominique Gosemaeler, est venue nous parler de son approche holistique autour de la frugalité, avec beaucoup d'exemples inspirants. Et puis ce soir, donc François Streiff, architecte enseignant, mais qui se présentera juste après. Pour l'instant, voilà les thématiques. Une des questions proposées dans le sondage d'accueil était de savoir si vous souhaitiez que l'on poursuive cette action. Donc on découvrira les résultats. Et puis je vous parlais effectivement de l'organisation du groupe Normandie. Donc moi j'en suis l'animateur, j'ai un rôle d'animateur. Et après dans les territoires, l'idée c'est d'avoir des relais pour mettre en avant les solutions qui se passent dans les territoires. Voilà, l'idée c'est de diffuser et puis surtout de faire remonter des expériences. On pense vraiment que c'est grâce aux expériences et au partage, comme on le fait ce soir, que tout un chacun pourra mettre en œuvre les solutions frugales dont il espère ou dont il a envie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez voilà, animer un groupe local ou proposer des solutions ou mettre en avant des projets. Voilà, c'est ouvert. Et partageons, partageons. Voilà. Concernant le sondage, bon, tout le monde n'a pas voté, donc je vous encourage à continuer à voter. Et puis on y reviendra peut-être en fin de séance, où on fera des publications complémentaires. Alors, on a une question. J'ai du mal à lire. Camilla. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un aperçu très rapide de ce manifeste? Qui est l'élaborateur de ce manifeste, par exemple? Et vous venez de le découvrir il y a à peine 15 minutes. Ben, c'est bien. Le manifeste a été co-rédigé par trois personnalités. Philippe Madec, architecte urbaniste. Alain Bornarel, ingénieur énergéticien. Et Dominique Gosemaeler, architecte. Donc ces trois personnes ont signé un manifeste que vous pouvez retrouver sur Internet à manifeste frugalité.org. L'idée du manifeste, c'est de dire qu'effectivement, il faut qu'on change nos pratiques dans la construction, dans l'aménagement du territoire, en allant au bout d'une démarche. Ce n'est pas un référentiel, ce n'est pas un label, ce n'est rien de tout ça. C'est simplement un texte qui pose voilà, qui pose l'état de l'urgence climatique notamment et le besoin de changer nos pratiques, donc de faire des bâtiments performants certes, mais avec en utilisant des matières qui vont moins polluer, plus naturelles, plus locales, en utilisant de moins de techniques. Dans ce qu'on appelle le low-tech, notamment. Voilà, et puis en ayant ces principes-là sur l'ensemble de nos interventions autour de la construction, la réhabilitation, l'aménagement du territoire. Voilà, donc c'est ouvert, c'est un texte, c'est un manifeste, et à chacun de s'en saisir pour mettre en œuvre les solutions qu'il pense
ou qu'il pense pouvoir mettre en œuvre au gré de ses projets. Voilà. Bon. On sait qu'on essaye de faire ce maximum, et on verra, je pense, avec François, des exemples où la Terre a joué un rôle peut-être majeur, puis sans doute des fois un peu moins évident, mais voilà, par exemple. Voilà, Camilla, j'espère avoir répondu. Bien, je vais arrêter mon partage, François, et puis je vais vous laisser reprendre la main. Je pense que c'est bon. C'est bon, on voit l'écran. Oui. OK. Eh ben, merci Sylvain pour l'invitation à venir parler un peu de ce matériau Terre. Donc, je me présente rapidement. Donc, François Streff, architecte de formation en tout cas. Je travaille sur le thème de la Terre depuis 25 ans maintenant, depuis que je suis sorti de l'école d'architecture de Normandie. Donc, j'ai d'abord œuvré au sein d'un CAUE, le CAUE de la Manche, qui travaillait en collaboration avec le parc des naturels régionaux des Marais du Cotentin et du Bessin, sur la problématique de la conservation du patrimoine en terre, et j'ai rejoint l'équipe du parc en 2002 jusqu'à ce jour. Et puis, depuis quelques années maintenant, une activité également complémentaire d'enseignement, à la fois à l'école d'ingénieurs de Caen, le SITC Caen, et puis sur un petit nombre d'heures un peu plus important également maintenant à l'ENSA Normandie, donc l'école d'architecture de Normandie. Voilà, donc je travaille principalement sur la rénovation du patrimoine en Bauge, qui est assez emblématique du territoire du parc, donc sur le cœur du Cotentin, de la presqu'île du Cotentin. Mais mon activité aussi au sein du CAUE précédemment m'avait amené à m'intéresser également aux torchis. Et puis le goût de la construction en terre fait qu'on s'intéresse forcément aux autres techniques. Donc je connais un petit peu le pisé. Donc vous avez un petit exemple derrière moi. Et puis également aussi par la force des choses et pour la rénovation, les autres techniques, que ce soit la terre allégée, la brique de terre, etc. Donc voilà, je vais pouvoir vous évoquer un petit peu l'ensemble de ces sujets ce soir. Que j'ai délibérément choisi spécifiquement sur la Normandie pour montrer aussi ce qui se fait chez nous. Il y a des choses intéressantes, des expériences en tout cas intéressantes à montrer et pas être toujours dans le ressassement des belles images que l'on voit d'ailleurs en Europe et dans le monde. Donc ce sera très très normand ce soir, voilà. Alors, je vous parle évidemment du patrimoine très succinctement. Je ne vais pas vous abreuver d'images de vieilleries plus ou moins en ruine, mais d'évoquer quand même ce patrimoine sur lequel, en fait, toute la démarche de revalorisation de la construction en terre aujourd'hui s'est quand même grandement basée. Donc, toute cette expérience autour du patrimoine, avec bien sûr le torchis, qui est un petit peu l'image d'épinal de la Normandie, hein, une maison en colombage avec sa belle vache normande et ses pommiers en arrière-plan. On a voilà, une pléthore en tout cas sur tout l'est de la Normandie et puis également un peu dans le sud Manche et l'ouest de l'Orne, un patrimoine assez riche de ce point de vue. Également la construction en Bauge, qui est présente un peu partout sur le territoire normand, mais dans des formes un petit peu différentes, plutôt à usage de dépendance à l'est, et puis pour tout ce qui concerne le centre-Manche, une utilisation vraiment très quasi systématique et très importante. On a sur certains secteurs près de 80% du patrimoine bâti en Bauge. Donc, vraiment les deux techniques vraiment emblématiques de la construction en terre en Normandie, avec toutefois quelques petites
compléments et variantes. Un peu de briques de terre crue sur une poche très localisée autour de Tiberville, entre le Calvados et l'Eure. Donc, une petite poche qui, probablement, au cours du 19e, une briqueterie qui a dû produire un peu de briques et qui a permis de construire un certain nombre de bâtiments modestes et plus importants sur ce secteur géographique, très, très localisé. Ce qu'on a appelé le gazon ou les pâtons d'argile, qui est vraiment une variante de la Bauge, hein, un principe de mise en œuvre un petit peu particulier, sous forme de briques qui sont découpées et assemblées encore meubles. Donc, pas véritablement une maçonnerie de petits éléments comme on l'entend pour de la pierre ou de la brique. On est obligé d'adjoindre un mortier pour pouvoir assembler ces éléments-là. Là, les briques sont directement collées, fraîches, les unes contre les autres. Et puis, quelques rares cas de pisées. Deux pastilles, parce que deux exemples, je dirais, relativement anciens qui entrent dans le champ du patrimoine, à la fois un mur de clôture du 18e sur le site d'un château dans le sud Manche, et puis un petit exemple également au cœur du Cotentin, sur une ferme reconstruite après-guerre, dans les années 50, en remplacement d'une bâtisse originellement en Bauge, détruite par les bombardements. Donc voilà, quelques exemples vraiment très, très localisés, mais qui montrent qu'on a quand même eu un peu l'ensemble des quatre grandes familles de constructions en terre présentes sur le territoire normand. Alors, tout ça un peu illustré, donc un pan de bois très, très varié, évidemment, très, très connu autour du pays d'Auge, bien sûr, mais des variantes pas inintéressantes également dans la Manche et dans l'Orne, avec tout un jeu de motifs qui se créent en fonction des types d'assemblage des solives, la manière dont le torchis est posé sur ces solives, qui laisse plus ou moins apparaître ce colombage, et donc qui peuvent dessiner des motifs assez, assez originaux sur le plan décoratif et structurel, bien sûr. Alors, la Bauge, très présente donc en Normandie, donc vraiment une technique là pour le coup de construction massive, porteuse. Dans le torchis, bien sûr, c'est l'ossature bois qui porte. Le torchis n'est qu'un remplissage d'une structure ajourée. Là, la Bauge, on est vraiment dans de la construction massive, pas de structure. Bois, vraiment, le mélange est tout à fait similaire finalement au torchis, hein. Il y a souvent d'ailleurs une présence simultanée de torchis et de Bauge dans bon nombre de secteurs géographiques, notamment en Bretagne où cette technique ces techniques sont également très présentes. Mais donc la Bauge, pour la partie est de la Normandie, elle est souvent cantonnée à des petites dépendances. Donc, vous avez un petit pigeonnier entre Elbeuf et Le Neubourg en bas à gauche, ou bien un mur de clôture sur Notre-Dame de Mictuy. Vous avez également quelques dépendances sur le secteur du Neubourg où le torchis vient éventuellement compléter un soubassement réalisé en Bauge. Et puis quelques exemples également, plus on va aller vers l'ouest, donc rejoindre le Calvados, dans le secteur du Virois par exemple, là, la Bauge devient un peu plus présente sur principalement des dépendances agricoles, très peu de logis réalisés avec cette technique-là. Et puis quand on arrive plus sur le Cotentin, là on a évidemment une absence de bois d'œuvre assez conséquente, notamment sur les secteurs de marais dans lesquels j'interviens aujourd'hui. Donc cette absence de bois d'œuvre fait que le matériau prépondérant, la terre à portée de main, très peu de pierres également présentes, on privilégie donc cette technique de la Bauge, donc à la fois sur des dépendances agricoles, sur des fermes assez modestes, petites fermes de journaliers, mais comme vous le voyez sur les images du bas de cette diapositive, vous avez là un prieuré du 17e, un manoir du 17e sur la droite, donc des bâtiments beaucoup plus prestigieux, très conséquents, qui
qui témoigne d'une véritable richesse qui vient un peu à l'encontre de l'idée préconçue que la terre est souvent utilisée pour du bâti de pauvres. Dans notre secteur, c'est véritablement quelque chose de totalement erroné. La technique de gazon ou de paton que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est vraiment assez typique du sud Manche, tout un secteur entre Coutances et Bressé, Avranches, dans la partie la plus extrême sud. Donc c'est pains de terre qui sont plus ou moins bien façonnés, plus ou moins bien taillés, souvent disposés en arêtes de poisson qui donnent cet appareillage assez reconnaissable et qui est assez intéressant. Et puis utilisés sur des murs complets ou utilisés ponctuellement pour des réaux de murs, des modifications de bâtiments. Donc, on a une technique là beaucoup plus facile à manipuler. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est aujourd'hui, alors je ne l'évoquerai pas parce qu'on n'a pas d'exemple en Normandie, mais dans les évolutions des constructions neuves en Bauge et notamment en Bretagne sur le secteur de Rennes, une entreprise a remis un peu ce principe de mise en œuvre qui existe également dans cette région-là, donc à réutiliser ce principe de mise en œuvre pour construire rapidement, efficacement et à moindre coût avec une main-d'œuvre bénévole, reconstruire des bâtiments en Bauge. Donc des liens assez étroits entre patrimoine et construction contemporaine qui sont assez intéressants. La brique de terre crue, donc ce petit secteur autour de Tiberville, donc vraiment une production spécifique. On s'est interrogé un temps sur la nature de ces briques. Est-ce que c'était des briques destinées à la cuisson qui finalement n'avaient pas été cuites et pour les vendre éventuellement moins cher avaient été vendues crues. En fait, en les regardant de près avec un collègue avec qui nous avons fait un travail un peu d'inventaire rapide sur ce secteur-là, on s'est véritablement aperçu qu'il s'agissait d'une production spécifique avec une adjonction de fibres, donc vraiment ce qu'on appelle communément les adobes, donc vraiment des briques de terre crue fabriquées spécifiquement pour un usage en cru, avec une option de mortier pour vraiment caler ces briques, pouvoir les maçonner les unes avec les autres. Donc avec des petites dépendances, souvent ces briques-là ont été utilisées pour réparer des torchis abîmés, mais sur Tiberville même, vous voyez plutôt ces bâtiments à gauche, vraiment des habitations où la brique de terre crue joue avec la brique de terre cuite. Cette dernière, elle est plutôt utilisée pour tout ce qui est report de charge, chaînage d'angle, mais la brique de terre crue, elle est utilisée vraiment en remplissage et en maçonnerie complète entre ces éléments un peu plus durs structurellement. Et puis, ces deux cas de pisé, donc ce mur de clôture du 18e, pardon, et cette ferme qui n'a jamais été finalement terminée. Elle n'a jamais été habitée, elle est restée à l'usage de dépendance finalement. Et vous voyez par le nombre de fissures, on voit se dessiner un petit peu les difficultés que j'évoquerai un peu plus tard sur construire en pisé en Normandie. Ce n'est pas quelque chose de si facile. Là, en l'occurrence, pour cette reconstruction, seul un maçon d'origine italienne avait un savoir-faire de construction en terre crue. Celui de sa région d'origine, c'était le pisé, et donc il a proposé à son client de reconstruire avec cette technique-là qui était la seule qu'il maîtrisait, mais avec quelques écueils en cours de réalisation. Donc voilà. Alors, voilà, brosser un peu ce patrimoine normand, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus, mais c'est quand même à partir de ce patrimoine qu'il y a vraiment un renouveau de la construction en terre en Normandie, avec pas mal d'actions menées dans les années 80, notamment à l'initiative du parc, à l'époque c'était le parc de Bretonne, maintenant le parc des Boucles d'Assais normandes, et Franck Lahure, notamment
jeune architecte qui avait suivi les premières formations du cratère à Grenoble et donc qui a fait tout un travail vraiment conséquent de remise à jour du savoir-faire autour du torchis, de la bauge, donc a formé en fait bon nombre d'artisans sur la région Haute-Normandie à l'époque, mais également, vous le voyez à gauche, une des premières reconstructions en bauge faites dans la Manche, sur le territoire du Parc des Marais, donc, où Franck a œuvré comme formateur et il a formé les premières entreprises qui, dans la Manche, par la suite, ont travaillé cette construction en terre. Donc, vraiment un travail important de redécouverte des savoir-faire, de redéveloppement de ces techniques sur la base de savoir-faire anciens qui étaient encore dans la mémoire de quelques anciens. Et donc, il a retrouvé un peu ces techniques, les a remises au goût du jour, a fait un travail important dans la formation, dans la description des techniques, dans la publication également de ces techniques. Il a également beaucoup travaillé à la mise en place des premières centrales à torchis et à bauge prêtes à l'emploi, dans une logique de favoriser l'usage de ces techniques-là. Donc, il a beaucoup œuvré avec les artisans qu'il avait formés à les structurer sous forme associative. Donc, de là est née l'association des artisans du torchis, qui a été dépositaire d'un gros malaxeur acheté par le parc de Bretonne à l'époque et qui a permis en fait de produire pour les artisans membres de l'association, pour les autres entreprises, pour les particuliers qui souhaitaient rénover, de produire un matériau facilement, à relativement bon marché, pour permettre la restauration de ces bâtiments anciens, de ces murs de clôture en bauge. Donc, c'est vraiment les prémices d'une filière, véritablement, qui a permis quand même de sauver déjà pas mal de bâtiments, mais aussi de développer le savoir-faire autour de la bauge et du torchis. En ce qui concerne la Manche, on a eu quelques expériences fin des années 80, des années 90, autour, là également, de la construction en terre, alors toujours sur l'angle du patrimoine, mais avec quelques introductions. Ici, un exemple d'un premier mur en pisé construit pour refaire en fait un mur effondré plutôt que de le refaire en bauge. L'architecte du parc avec qui je travaillais à l'époque, Jean-François Josselin, avait proposé de le reconstruire en pisé, ce qui était une manière de commencer à former les entreprises plutôt travaillant habituellement sur la rénovation de la bauge, de les former en fait à reconstruire avec des techniques différentes. Soi-disant, on le verra, soi-disant plus adapté à la construction neuve, dans une perspective en fait de s'appuyer sur ce tissu d'entreprise formé à la construction en terre, de s'appuyer sur ce nid de cette masse d'entreprises formées à la rénovation pour développer éventuellement une nouvelle culture constructive en terre crue. Donc ça, c'est peu suivi de réalisation, ces expérimentations. Probablement que c'était un peu trop tôt par rapport à l'évolution un peu de la société autour de ces questions. Mais ça nous a permis quand même d'avoir un minimum d'expérience sur lesquelles s'asseoir par la suite. Alors, les véritables premières réalisations, elles arrivent plus tardivement, hein, vraiment fin des années 90, début des années 2000. Donc, avec une première réalisation majeure ici sur Audrieux, entre Bayeux et Caen, au travers la réalisation de ces trois murs paysager dans l'enceinte d'un cimetière, d'un nouveau cimetière, donc avec une symbolique évidemment extrêmement forte, mais avec une première réalisation assez marquante, qui
tout à fait intéressante de mon point de vue, en tout cas sur le plan esthétique, mais qui introduisait déjà quelques difficultés annoncées sur le pisé en Normandie, donc qui est la technique qui a vraiment marqué les concepteurs, Guillaume Daligo et Joël Van Jovenhuys, Thierry Leverrier pour la partie paysage, donc qui avait été marquée par un certain nombre de références qu'on a vues pas mal circuler, notamment les réalisations de Martin Rohr en Autriche et la réalisation notamment de ces murs de cimetière. Donc ça les a beaucoup marqués, beaucoup intéressés, et donc ils ont voulu reproduire cette technique-là avec quelques écueils, notamment sur des problématiques de sensibilité particulière à la pluie, au gel, qui sont assez critiques sur la construction en terre dans notre secteur un peu plus vieux. Et la conjugaison pluie et gel est parfois assez néfaste, donc ces murs ont subi quelques déboires qui ont été repris depuis, hein. Question d'étanchéité de ces toitures assez fines, mais qui ont pu poser problème. Alors d'autres exemples un peu plus tardifs, là dans un contexte urbain, un architecte, Yves Pilon, qui a créé ce mur de clôture. Donc, qui donne sur rue, donc réalisé avec un pisé extrêmement fin, donc avec une entreprise qui s'était formée sur cette technique-là et qui était intéressée pour développer. Vous verrez que ce nom des frères Bon reviendra assez régulièrement sur bon nombre d'exemples. Donc, c'est une entreprise qui a fait beaucoup pour le redéveloppement de la construction en terre, en tout cas sur l'ex-basse Normandie. Donc, avec cette première réalisation assez intéressante en pisé, qui a été pour le coup assez bien maîtrisé dans la saison de réalisation, dans la qualité du pisé réalisé. Donc pas de problème particulier sur ce chantier-là, mais une réalisation assez intéressante. C'est suivi de très près avec la réalisation de ce pavillon des énergies, donc une réalisation du département de la Manche. Un bâtiment un peu à vocation pédagogique autour de la question des énergies, des économies d'énergie, des sources de production d'énergie. Donc, avec un architecte, Jean-Jacques Poupard et sa collaboratrice Catel Prigent, qui ont travaillé sur ce projet, donc, qui à l'époque était assez novateur, pas mal d'ossature bois, isolation de mémoire en boîte de cellulose, et puis cette idée d'avoir un grand mur porteur en intérieur, en terre, qui joue à la fois le rôle de porteur et qui joue également le rôle d'inertie thermique pour temporiser un peu le bâtiment, lui apporter de l'inertie. Donc avec une expérience assez intéressante, puisque c'est un cabinet d'architectes qui connaissait un peu la construction en terre, parce que œuvrant sur un territoire où il y en a, mais sans forcément beaucoup plus de connaissances techniques, un maître d'ouvrage plutôt intéressé, mais sans forcément s'y être plus que ça. Mais qui a quand même réussi à faire passer ce binôme, a réussi à faire passer ce projet-là, notamment auprès d'un bureau de contrôle. Donc, réaliser un mur porteur en pisé début des années 2000, ce n'était pas forcément si évident que ça. Ce n'était pas forcément encore très, très répandu, très connu, comme on le voit un peu plus aujourd'hui. Alors, avec quand même quelques écueils, c'est-à-dire que l'architecte connaissait relativement peu les techniques et les contraintes du pisé, donc une mise en œuvre d'une terre avec un taux d'humidité extrêmement faible, contrôlé, donc avec une terre extraite sur le site, donc une démarche plutôt intéressante, mais une terre finalement extrêmement limoneuse, extrêmement fine, pas du tout adaptée à un pisé qui nécessite plutôt une terre assez graveleuse, assez sableuse et graveleuse. Donc il a fallu
formuler cette terre-là pour limiter les fissurations. Et puis également, premiers écueils de marché public, comment gérer en marché public la réalisation d'un mur empisé. Donc pourtant un lot séparé, mais avec une maîtrise d'ouvrage qui n'avait pas forcément conscience des spécificités de cette technique-là et n'a pas forcément su analyser correctement les offres à l'époque. Et donc, la tentation du moins 10 ans a été un peu la plus forte sur ce chantier. Et donc, avec une entreprise qui n'avait jamais fait de pisé, mais qui a répondu à un prix extrêmement bas, normalement même qui aurait logiquement dû être écarté parce que voilà, l'offre ne correspondait pas à la réalité des prix. Bon, toujours est-il que ça s'est fait comme cela et donc l'entreprise a appris sur le terrain comment retravailler sa terre, comment la reformuler, a finalement appris à ses dépens après un effondrement du mur qui aurait pu tourner à la catastrophe, sur le plan humain notamment, a appris donc qu'il fallait protéger ces gisements, qu'il fallait contenir l'humidité. Et donc, ils ont dû construire cet abri de fortune au-dessus des zones de stockage et de travail de la terre pour éviter qu'elle ne se remouille de trop à cause des pluies du printemps. Et donc, bon, ils ont finalement réussi à finir ce mur, mais avec moult difficultés et avec au bout du compte un résultat qui, sur le plan esthétique, peut être discutable, critiquable en tout cas, et qui a abouti à finalement une entreprise qui a jeté l'éponge en disant la terre, c'est n'importe quoi parce que les gars se sont épuisés à construire avec ce matériau-là. L'entreprise a perdu de l'argent parce que bon, elle avait pas été assez prudente sur la manière dont elle avait répondu, le prix auquel elle avait répondu. Et donc, voilà, un architecte qui, du coup, a subi quand même pas mal de stress aussi au cours du chantier, puisque voilà, cet accident a été quand même assez… assez perturbant pour eux, mais ils ont réussi finalement à finaliser ce bâtiment, donc qui est aujourd'hui utilisé comme lieu de formation, comme lieu de démonstration, donc a été finalement relativement intéressant, et mine de rien, c'est quand même un mur de très grande dimension, il y a à peu près de mémoire une trentaine de mètres sur 6 mètres de hauteur en porteur, ça reste… malgré ces petites difficultés de parcours, un exemple assez intéressant et qui, localement en tout cas, a fait beaucoup parler et a suscité pas mal d'envie. Donc, parallèlement à cet exemple de construction publique, il y a eu quelques initiatives un peu individuelles, donc là une réalisation d'une maison individuelle dans la région de Saint-Lô, globalement ossature bois, isolation paille, donc des clients qui voulaient une construction écologique, et donc là une opportunité pour l'entreprise de tester une solution de préfabrication, donc qui en tout cas à ses yeux était une voie de développement pour la technique de construction en terre crue. Le pisé toujours parce que pour des raisons esthétiques principalement, hein, c'est ce qui plaît avant tout dans cette technique-là, une rapidité relative de construction, en tout cas une utilisation des murs, des blocs plus rapide dans la phase chantier. On peut très rapidement asseoir une structure dessus, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc là, ça a été l'occasion pour l'entreprise des Frères Bon de tester, de faire un premier essai sur de la préfabrication. Donc avec des blocs, évidemment, on n'est pas dans les extrêmes et la maîtrise de Martin Rohr et de l'usine Ricola, mais voilà, à l'échelle locale, c'est une petite expérimentation intéressante qui avait même donné l'idée
à l'entreprise d'équiper une filière de production depuis le malaxage jusqu'au coffrage un peu automatisé et au remplissage et au compactage un peu automatisé du pisé. Donc, ils avaient monté toute une petite filière de production pour ces blocs-là sur cette maison. Donc où les blocs ont été réalisés, bon, le temps que l'entreprise se mette en route, l'ensemble de la structure bois avait été montée, donc les blocs sont venus s'insérer dans la structure bois par la suite, mais sont porteurs aujourd'hui. Et donc voilà, la réalisation terminée, donc un pisé qui a plutôt bien vieilli et qui était une première expérimentation assez intéressante. Dans la continuité, hein, quasiment un an après, j'ai eu l'occasion sur ma propre maison d'utiliser ces mêmes blocs pour réaliser une partie de mur porteur et puis une partie que vous avez derrière moi et que vous retrouvez sur la photo donc d'un mur non porteur en intérieur qui a été l'occasion de former quelques architectes également au pisé, donc pas mal de copains qui sont venus s'essayer au fouloir pneumatique sur ce mur, donc non porteur, mais qui est un mur de masse qui permet derrière le poêle à bois d'accumuler la chaleur. Donc voilà, petite réalisation supplémentaire ici, toujours en pisé. Avec là toujours cette problématique un peu de la teneur en humidité, pas très présente sur la première expérimentation. L'entreprise avait pu produire son pisé dans de bonnes conditions. Bon, pour ce qui me concerne, ma maison, on dit toujours que les coordonnées sont les moins bien chaussées. C'était un moment de déménagement de l'entreprise. La terre n'a pas pu être abritée au bon moment et donc on s'est retrouvé avec un pisé un peu mou. Qu'il a fallu resserrer un petit peu en cours de séchage, mais voilà, ça lui donne un style et j'en suis bien content maintenant, mais qui montre quand même toujours la difficulté de cette technique-là. Un autre chantier assez instructif aussi sur la problématique de construire en terre aujourd'hui et notamment en Normandie, donc toujours des architectes intéressés par le pisé, omnibulés par les belles images qu'on commençait à voir. Donc c'est une opération qui a 6 ans maintenant. Donc on commençait à voir publié pas mal de choses sur le pisé. Donc là, un commanditaire moteur, le maîtrise d'ouvrage public, communauté de communes Sefthôte, donc vraiment au cœur des marais du Cotentin, donc avec une présidente habitant elle-même dans une maison très intéressé par cette technique, par l'action du parc aussi pour redynamiser la construction en terre, donc qui a demandé aux architectes en charge du projet de construction des locaux de la communauté de communes, donc leur a demandé de travailler sur les trois matériaux constitutifs et un peu emblématiques de cette communauté de communes, à savoir le béton de la reconstruction, le bois du bocage et la terre traditionnelle des marais. Donc les architectes ont opté pour le pisé. Avec toutefois, donc ils ont adapté leur projet une fois sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés sur leurs compétences sur la terre. Ils ont été sélectionnés sur un dossier et ils en sont venus à utiliser la terre par la suite, hein, donc sur la demande de la maîtrise d'ouvrage. Mais ils ont apporter la terre, là également, au moment où bureau de contrôle, SPX, etc., étaient déjà sélectionnés par la maîtrise d'ouvrage. Donc là, les difficultés ont commencé à apparaître, c'est-à-dire que le bureau de contrôle retenu sur ce projet-là n'avait aucune expérience sur la construction en terre et a été plutôt sur ce projet-là un frein, si ce n'est un problème. Donc on a eu affaire à un bureau de contrôle qui n'a absolument pas accepter que le pisé soit porteur. Donc, on est sur un pisé qui est armé de béton pour assurer la structure.
Voilà, donc on a des raidisseurs verticaux qui séparent un peu tout le mur principal, accompagné également de raidisseurs horizontaux en plein milieu de voile terre. Donc ça doit être probablement le seul pisé que j'ai vu qui ait des fissures horizontales et qui sont en fait causées par ces raidisseurs béton. Et puis, des raidisseurs qui, malgré toutes les précautions prises par l'entreprise, qui savaient pertinemment les risques de fissuration que ces raidisseurs allaient apporter. Donc, ils ont essayé d'armer au maximum le pisé pour limiter ces risques de fissuration. Mais immanquablement, on le devine un petit peu sur l'image de droite, hein, et vous voyez les zones de rebouchage sur l'image du milieu. Immanquablement, le pisé a fissuré à chaque raidisseur vertical et sur les raidisseurs horizontaux. Un petit écueil qui montre l'importance dans ce type de projet-là et sur encore aujourd'hui qu'il y ait vraiment un bon mixte et une bonne coordination entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et les bureaux de contrôle et par la suite les entreprises. Là, je dirais qu'on avait une maîtrise d'ouvrage tout à fait ouverte, une entreprise la compétente et sélectionnée pour ses compétences sur la construction en terre, une maîtrise d'œuvre ouverte et intéressée, et puis en face, un bureau de contrôle obtus et qui a complètement bloqué et voire imposé des choses absurdes sur ce projet-là. L'absurdité allait jusqu'à vérifier que les fissures étaient traversantes avec un karcher. Donc, sur un bâtiment en terre crue, évidemment, ce type de test aurait fait bien évidemment beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Donc, il a fallu quand même pas mal batailler pour expliquer un certain nombre de choses, mais on n'a pas évité toutes les problématiques. On a aussi, sur ce chantier, pu aussi voir un peu toutes les difficultés de coordination des différents corps de métier, ce qui est une problématique qui n'est pas anodine, puisque là, on était sur deux lots séparés, un lot gros œuvre béton et un lot terre qui permettait de confier la réalisation des murs à une entreprise compétente sur la terre, une petite entreprise artisanale et pas une entreprise capable de couler des mètres cubes de béton. Mais en termes de coordination, ce n'est pas évident sur ce type de chantier-là. Qui protège les ouvrages? Comment est-ce que les entreprises qui vont couler du béton prennent soin de ne pas altérer la réalisation d'un pisé qui doit rester apparent? Voilà, vous voyez ici sur la photo du milieu quelques protections qu'il a fallu apporter à grand renfort de contreplaqué pour éviter que les murs ne soient abîmés. Et ça n'a pas empêché qu'on ait quelques bavures de l'étance de ciment sur le pisé. Donc là, c'est une coordination qui est assez importante et assez critique, notamment quand ce sont deux intervenants différents. Donc voilà quand même la réalisation achevée, donc plutôt quand même globalement une réussite, en tout cas en termes d'image, d'impact local dans la valorisation de ces techniques de terre crue. Dans la même veine, une petite réalisation ici, alors moins marquante sur le plan technique. On est simplement sur des murs de séparation, mais qui peut montrer aussi comment la terre peut intégrer des projets, y compris des projets publics. Là, on est sur une maison de santé. A priori, on pourrait avoir peut-être quelques réticences à utiliser la terre dans ce type de contexte avec une connotation sanitaire assez forte, mais ces alcôves ont été réalisées en pisé pour créer des salles d'attente individuelles de chaque professionnel de santé, et qui a été réalisée dans un contexte plutôt favorable a priori pour du pisé, c'est-à-dire un bâtiment déjà fermé, déjà abrité, on va dire, pas fermé mais abrité, donc qui permettait la plus facilement de contrôler la teneur en eau du pisé, sa mise en œuvre à des saisons pas tout à fait
adaptées à la construction en terre. Hein. Vous voyez les entreprises assez chaudement vêtues. Je crois que le chantier ici a dû avoir lieu courant mars, donc à une période où il est encore froid et humide, donc pas toujours évident de contrôler là encore la qualité de la terre pour ces réalisations de pisé. Alors là, un exemple plus proche de Bayeux, conçu par Sophie Popo, membre architecte et membre de l'ARP Normandie notamment, donc qui a conçu ce projet d'une légumerie qui a été réalisé par Philippe Burcher, donc un artisan d'origine autrichienne qui était venu s'installer en Normandie il y a quelques années, et donc qui a réalisé ce bâtiment en pisé. Donc là, globalement, une assez bonne maîtrise technique, hein, à la fois dans la conception, dans la réalisation. Donc il y avait là, un projet plutôt privé, hein, on n'est pas dans un projet public, c'est pour un maraîcher. Donc une réalisation vraiment très intéressante, avec toutefois peut-être une évolution récente qui est un peu dommage en termes d'image, en tout cas, c'est que cette belle façade de pisé se trouve aujourd'hui enduite d'un enduit à la chaux, parce que le pisé a commencé à se dégrader un petit peu sous l'action de la pluie, des pluies battantes. Donc peut-être une qualité de terre pas tout à fait suffisamment dosée en argile, en tout cas un peu trop sensible à l'érosion, en tout cas suffisamment érodée au bout de quelques années pour faire un petit peu peur aux propriétaire, donc qui a préféré jouer la carte de la sécurité et enduire l'intégralité de son bâtiment. Néanmoins, une réalisation assez intéressante et assez importante, réalisée finalement assez rapidement et avec une maîtrise des coûts plutôt bien assurée, donc qui a permis cette réalisation. Intéressante aussi dans l'appréhension des capacités de la terre à réguler l'humidité, ce qui est souvent avancé dans les propriétés de ce matériau-là. Là, pour le coup, un maître d'ouvrage vraiment heureux et satisfait de son choix, dans la mesure où ça lui permet de conserver ses productions légumières à une température, une humidité constante. Donc, vraiment la preuve par l'expérience des qualités de la terre. Alors, parallèlement à ces expériences sur le pisé, il y a eu aussi d'autres essais sur d'autres techniques, notamment la terre coulée, avec cette expérience de l'entreprise Sémater qui s'était montée sur Gonfreville-Lorcher il y a quelques années, et donc avec la réalisation, là aussi en chantier public, hein, de cette pépinière d'entreprise. Et donc a été un essai assez intéressant dans une logique qui semble assez prometteuse, en tout cas intéressante, de dire en coulant la terre finalement comme du béton, on peut permettre une utilisation plus large de ce matériau auprès d'entreprises qui n'ont pas forcément un savoir-faire technique particulier lié aux techniques traditionnelles de la terre, mais qui utilisent ce matériau comme elles utilisent le béton de ciment, donc couler, vibrer de la même manière. Donc une intention qui en soi est assez louable. Donc bâtiment et projet qui a fait l'objet pas mal d'études avec l'Université du Havre, si ma mémoire est bonne. Alors qui toutefois est un peu pose question, en tout cas, du fait du recours assez conséquent au ciment et à la chaux dans la formulation pour pouvoir décoffrer rapidement ce matériau-là. Donc finalement, quand on fait un peu le rapport entre le même bâtiment conçu en voile béton et celui-ci avec ses murs fortement épais en terre, finalement, quand on rapporte ça au poids de ciment utilisé, finalement, on a un bâtiment qui est presque plus consommateur de ciment et plus émetteur de CO2 que si on avait réalisé la même opération en plus conventionnel. Donc voilà, c'est intéressant là encore en termes de recherche, en termes de développement, mais là aussi il faut avec un peu de recul analyser ces types de projets et de démarches. Alors aujourd'hui des recherches sont faites pour limiter évidemment nettement plus
les ajouts de ciment. Donc, on arrive à faire des terres coulées avec des proportions nettement moins importantes que ce qui avait été fait sur ce projet. On essaye aussi de développer des liants un peu plus vertueux que le ciment. Mais voilà, on a toujours recours à un stabilisant qui permette de décoffrer la terre finalement assez rapidement. Donc, il y a eu d'autres essais, d'autres utilisations, notamment sur ces logements sociaux à Fauville-en-Caux, réalisés par Laurent Protois. Voilà, donc qui sont une utilisation aussi intéressante de la terre comme stockage de chaleur pour amener un petit peu d'inertie et d'énergie passive, de calories passives, je dirais, dans les logements en vue de limiter leur consommation d'énergie pour le chauffage. Donc un principe intéressant, mais là encore, qui a recours à cette stabilisation assez conséquente. Pardon, je passe un peu trop vite. Donc, je fais un petit écart géographique de quelques kilomètres hors de Normandie sur Saint-Sanson-la-Poterie. Là aussi, avec toujours des essais de terre coulée, donc ici réalisés par les frères Alglave sur la manufacture de Saint-Sanson, donc pour leurs futurs locaux d'accueil de visite de la brique, de la Tuilerie. Et donc, là aussi, un essai de terre coulée en travaillant sur des dosages de ciment nettement moindres. Donc, un premier essai pour eux d'utilisation de cette technique-là. On a eu aussi dans la Manche nos essais avec là les frères Bon qui ont tenté de faire de la bauge, un mix de bauge stabilisée en fait, donc un mélange de terre chargée de fibres végétales mais stabilisée au ciment pour pouvoir là aussi décoffrer très rapidement. Donc là les murs de cette maison ont été construits en un peu moins de 2 mois, donc coulés quasiment en continu. Mais avec le recours au ciment, de peur de ne pas pouvoir décoffrer en temps. Donc, ça a été pour eux une première expérience où toutes les difficultés à construire en pisé, donc notamment liées au contexte climatique, de maîtrise de la teneur en eau, principalement du pisé, le fait de devoir assez souvent reformuler les terres, parce que les terres qu'on a localement sont trop fines, donc de devoir rajouter à chaque fois du gravier, du sable pour corriger la granulométrie, les ont amenés à se dire on peut peut-être retourner un peu plus vers la bauge. Donc, cette première tentative était assez intéressante de ce point de vue-là. Il y a eu également d'autres essais. Julien Mélin, dans l'heure, qui a construit cette maison, donc qui s'inspire beaucoup du vernaculaire, mais où on est sur une construction neuve, mais avec l'utilisation de matériaux anciens. Voilà, et donc d'utilisation de la bauge pour réaliser ces murs porteurs. Donc là, vraiment avec la technique traditionnelle qu'il a utilisée à pas mal de reprises pour des petits projets qui sont à la fois de la reconstruction, mais aussi de la construction neuve. Donc là, on voit à gauche un mur de clôture qui a été partiellement réparé, refait, et puis sur la partie droite, une extension avec un petit logis qui est construit en bauge. Également à droite, une réalisation d'un mur paysager, toujours en technique de bauge traditionnelle. Donc là, l'optimisation de la centrale à torchis et à bauge, donc avec une bonne maîtrise de la quantité de terre mise en œuvre par jour par ses équipes, donc lui permet d'optimiser vraiment son chantier, donc une démarche assez intéressante de ce point de vue-là. Et puis une réalisation qui moi m'a marqué. Je passais pas mal, assez fréquemment devant ce mur-là pendant un temps. Et donc là, une réalisation en bauge coffrée en fait dans une structure de gabion, donc une structure grillagée, donc sur un mur paysager.
Et en discutant avec Dominique et Julien Mélin, donc le père et le fils sur ce chantier-là, bah on s'est aperçu que finalement la cage de gabion permettait de contenir la bauge sans trop de débord et finalement leur avait évité un travail de retaillage de la terre qui est souvent assez pénible et fastidieux sur cette technique-là. Donc vous verrez un peu plus tard que ça nous a inspiré. Dans le même temps, les bons, après ce premier chantier de bauge stabilisé, coffré, ont eu l'opportunité de tester là aussi des blocs de bauge préfabriqués, donc non stabilisés, mais préfabriqués en atelier pour reconstruire une maison qui s'était effondrée en cours de rénovation. Et donc, ils ont pu voir qu'effectivement, en maîtrisant assez bien la teneur en eau, on pouvait arriver à décoffrer de la bauge relativement rapidement et donc pouvoir là aussi adapter les techniques et pouvoir produire aussi de la préfabrication. C'est un peu les premiers essais, en tout cas en Normandie, de bauge préfabriquée, non stabilisée. Alors, nous, on a également, mais ça, c'était déjà des pratiques assez anciennes, mais côté Manche, on n'a pas forcément travaillé sur la mise en place de filières de production de matériaux prêts à l'emploi, mais plutôt sur faciliter le travail de malaxage, donc en ayant recours à de la mécanisation. Et puis, donc, en s'inspirant de cette mise en œuvre en gabion, on a travaillé avec un maçon, là, Olivier Dargagnon, à créer des banches un peu particulières à base de grillage, donc qui nous permettent en fait de mettre en œuvre assez rapidement la bauge, simplement par foulage dans le coffrage et en limitant considérablement le travail de retaillage. Donc on s'est aperçu que ces petites banches un peu bricolées à l'époque, mais permettaient de gagner quand même pas mal de temps sur le chantier. Et donc ça nous a introduit un peu toute la dimension d'optimisation de la mise en œuvre dans une perspective de limiter un peu les temps de mise en œuvre, limiter la pénibilité du travail et peut-être espérer à terme aussi limiter les coûts de réalisation de ces murs. Et en s'apercevant aussi que la bauge, finalement, restait quand même la technique la plus adaptée à notre contexte climatique, notamment. Alors, on a des terres fines qui s'y prêtent, mais c'est aussi une mise en œuvre qui n'est pas trop sensible, finalement, à quelques petites pluies éparses par-ci, par-là. Donc, dans un contexte pluvieux comme la Normandie, c'est plutôt pas mal adapté. Et on s'est amusé aussi à comparer un peu cette technique de la bauge coffrée avec les techniques de terre coulée. Donc pendant plusieurs années, on a fait un peu des petits challenges compétitifs à l'occasion du festival Grain d'Isère organisé par Amaco aux grands ateliers d'Île d'Abeau près de Lyon, où on s'est amusé avec les équipes d'Amaco qui travaillaient sur la terre coulée à se dire voilà, on va réaliser le mur le plus haut, le plus fin et décoffrer le plus rapidement. Donc on a réussi au cours notamment de cette manipulation là avec les étudiants de l'école d'archi de Grenoble, à monter 1,20 m de bauge sur 25 cm d'épaisseur et décoffrer le lendemain. Donc, on a réussi à faire la nique à la terre coulée. Bon, ceci étant, on était limité à 1,20 m, on n'aurait pas monté évidemment plus haut, il fallait pas trop bouger le mur. Mais ce qui montre que la bauge, finalement, peut être assez concurrentielle des problématiques actuelles. Donc, toujours dans ces expériences qu'on a accumulées, là, un autre essai de bauge coffrée mené par les frères Bon, plutôt sur du coffrage plein, mais à l'occasion d'un chantier de grande échelle, hein, sur la construction d'un cellier. De mémoire, on est à peu près sur 400 mètres carrés de surface de bâtiment, avec des murs montant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et donc là, on a travaillé sur ce coffrage un peu filant, en fait. Donc, une couche de bauge pas très épaisse. D'habitude, on monte à peu près 60-70 cm de hauteur. Là, on s'est limité à 30 cm de hauteur et avec un coffrage qu'on enlevait, qu'on soulevait, un peu comme si on avait coulé en fait des briques directement sur le dessus du mur, et qui a permis en fait de
faire l'intégralité de ce bâtiment, donc quand même assez conséquent. L'intégralité a été montée en 2 mois et demi, avec simplement 15 jours d'interruption à mi-chantier. Donc simplement, cette faible épaisseur et le linéaire de mur à réaliser faisait qu'en en bouclant le périmètre des murs, la bauge avait suffisamment durci pour qu'on puisse continuer dans la foulée. Donc là, une expérimentation intéressante de ce point de vue-là sur l'optimisation un peu des temps de chantier. Alors, il est vrai aussi que l'entreprise a été particulièrement chanceuse sur la période de chantier qui s'est vraiment faite en été, très peu de pluie, et en plus un bâtiment abrité puisque la structure était déjà en place. Les murs ne sont pas porteurs sur ce projet-là. Mais ça nous a permis de voir qu'effectivement une notion un peu d'échelle est importante dans ce type de projet en terre crue, et qu'on peut probablement arriver à optimiser un certain nombre de choses et faire des économies d'échelle sur des projets assez vastes. Pardon, je vais toujours trop vite. Donc là encore un petit exemple fait par une entreprise de l'Orne, toujours dans une logique un peu de coffrage, d'optimisation, donc avec une tentative là de piliers en bauge contenant en fait une ossature bois légère et un remplissage paille, et donc de piliers porteurs en bauge qui ont été coffrés sur toute la hauteur, donc des coffrages de 5 mètres de hauteur construits d'un seul tenant et qui ont été laissés à sécher par place. Donc voilà, un projet un peu borderline, je dirais, sur le plan structurel et sur le plan de la réalisation, mais qui montre quand même, et à ma grande surprise, un assez bon comportement de la terre. On est toujours finalement assez surpris par ce qu'on arrive à faire avec ce matériau. Mais je n'aurais pas forcément parié dessus. Donc, de manière beaucoup plus raisonnable, là, sur un projet qu'on a suivi comme maîtrise d'ouvrage au niveau du Paris-Amarais, donc la construction de nos bureaux avec un mur bauge non porteur, un mur anti-bruit, enfin, la bauge a été utilisée principalement comme mur anti-bruit le long d'une route très passante pour isoler phoniquement les bureaux qui se trouvent derrière. Et donc là encore une opportunité d'essayer de la bauge coffrée avec des coffrages travaillés un petit peu différemment, un maillage beaucoup plus fin, donc un travail de retaillage très très léger avec simplement un platoir à dents de carreleur, et puis juste un travail de resserrage de la terre avec des tubes de fer soudés tapés donc pour créer une texture particulière sur le projet. Donc sur ce projet-là, ça a été aussi l'occasion de se questionner sur la liaison entre une structure fixe en bois porteuse, la structure en terre qui subit un tassement, un retrait au séchage. Donc comment créer une liaison mécanique entre les deux suffisamment souple pour accepter ce phénomène de tassement naturel de la bauge. Donc des questionnements techniques qui sont assez intéressants pour pouvoir développer aussi tous les projets de construction neuve, et la question de la mixité des structures qui est toujours un peu problématique avec la terre crue. Le reste de ce projet, on est sur une utilisation d'enduit terre que j'ai peu évoqué. Je reste principalement là sur les techniques un peu porteuses, mais les enduits terre sont évidemment des techniques qui sont très développées et beaucoup développées également en autoconstruction, dans les constructions paille. Donc c'est probablement aujourd'hui une des techniques les plus faciles, en tout cas adaptées en construction neuve. Donc là qu'on a appliqué nous sur les bottes de paille. Donc voilà les locaux réalisés, finis. Donc avec ces enduits terre en intérieur, le long de cet ensemble de bureaux. J'en profite juste pour montrer d'autres techniques qu'on avait essayées sur un projet
précédents sur le même site. Donc un peu de pisé, là aussi avec beaucoup de difficultés liées à l'humidité. Donc un pisé qui a beaucoup fissuré à cause de beaucoup de pluie en cours de réalisation. Et puis en intérieur, des techniques de terre allégée avec un chauffage mural et enduit de terre en recouvrement, donc qui est une utilisation aussi intéressante de la terre en structure allégée. Pardon. Donc, dans cette démarche, vous voyez, on est passé vraiment du pisé, qui est un peu l'attrait immédiat, en tout cas, des architectes pour cette technique. Le côté esthétique, bon, qui nous a posé vraiment pas mal de soucis. Et donc, on s'est dit, c'est pas la technique qu'il faut vraiment qu'on développe. Et on est vraiment passé assez rapidement à comment réutiliser la bauge, comment la réinterpréter. Donc, avec ces essais sur la mécanisation, sur le coffrage. Là également, sur ce projet-là, donc d'une maison individuelle dessinée par et habitée aujourd'hui par César Canet. Donc on est pas très loin de Pont-l'Évêque. Donc là, la problématique de la terre et des réglementations thermiques. Donc un matériau qui n'a pas de très très bonne propriété d'isolation, en tout cas, qui permet difficilement de rentrer dans le cadre des réglementations thermiques actuelles, et donc qui nécessite souvent l'utilisation, le recours à un isolant supplémentaire. Donc là, dans le cas de ce projet-là, l'architecte, lui, voulait avoir la bauge apparente en intérieur comme en extérieur. Donc ce qui a poussé l'entreprise des Frères Bon à imaginer un dispositif un peu différent qui concilie à la fois cette problématique de thermique et qui concilie également une expérimentation d'optimisation de mise en œuvre pour aller vite et haut d'un seul tenant. La bauge est un matériau plutôt mou qu'on met en œuvre, donc qui s'affaisse un peu sous son propre poids. Donc on est obligé de monter par étapes. Et il faut attendre 2 à 3 semaines entre chacune de ces étapes pour pouvoir remonter un mur supplémentaire. Donc là, eux se sont dit, il faut qu'on arrive à optimiser le mélange pour qu'on puisse rapidement construire et que ça se tienne suffisamment pour qu'on puisse monter des murs trumeaux, un peu comme pour le pisé, qu'on puisse monter des murs trumeaux de 2 mètres de hauteur d'une seule traite. Et donc, ils ont imaginé ce dispositif un peu farfelu d'une structure métallique, d'un portique au-dessus des murs, muni d'un treuil et qui leur permettait en fait de monter un complexe de 3 coffrages, hein, que vous voyez bien dans l'image du milieu, et qui permettait de monter la bauge, donc à la fois le mur porteur extérieur et un mur, un parement intérieur avec un vide entre les deux, vide qui ensuite a été comblé de liège en vrac. Donc, ils ont travaillé par contre sur une forme d'hybridation de techniques, hein, en faisant une bauge très ferme ou un pisé très mou et chargé en fibres. Et du coup, ils ont utilisé aussi un peu les outils du pisé, finalement, d'une part le coffrage, bien sûr, et d'autre part le fouloir pneumatique que vous voyez ici, donc qui permettait de compacter beaucoup plus rapidement et de manière moins soignée qu'on le ferait avec un pisé, et qui permettait de compacter également des grosses quantités de terre, donc moins embêtées par les petites couches successives du pisé, mais qui leur permettait finalement, qui leur a permis, hein, de monter ces murs trumeaux, donc 2 mètres, pouvait être monté en une journée. Donc là, plutôt une performance par rapport à ce qu'on fait habituellement en bauge. Alors par contre, qui reste assez problématique sur la bonne maîtrise quand même de la teneur en eau. Et puis une pénibilité qu'on n'a pas au niveau du découpage, mais quand même dans le maniement d'un mélange assez ferme et le recours au fouloir. Mais en tout cas, une expérience relativement intéressante, avec aussi l'introduction d'un jeu de textures dans les coffrages. Donc là encore, inspiré un peu des marques du bâti traditionnel.
Et j'en viens donc à cette dernière évolution donc sur lequel on travaille en ce moment au niveau du Parc des Marais, donc dans le cadre d'un projet de recherche européen, Interreg, donc sur le projet COP-Bauges, où là on essaye de franchir un cap supplémentaire dans la problématique construire en terre, construire en Bauges et avec un bâtiment efficace sur le plan énergétique. Donc en se posant la question de l'isolation, de la performance thermique de la Bauges, pour essayer de trouver là aussi un mode d'optimisation du mélange terre-fibre pour que l'on puisse concilier à fois résistance mécanique et bon comportement thermique. Alors, si on n'a pas réussi à avoir un seul mélange qui nous permette de concilier ces deux fonctions de porter et d'isoler, on en est venu assez rapidement à l'idée de construire en même temps le porteur et l'isolant, donc avec un travail d'optimisation en laboratoire, donc mené par l'ESITC Caen, l'IUT de Saint-Lô-Cherbourg, l'Université de Plymouth en Angleterre. On a travaillé donc sur l'optimisation des fibres, l'optimisation des mélanges pour optimiser le porteur et optimiser le mélange isolant. Dans une logique d'avoir un isolant qui ne nécessite pas une intervention a posteriori, qui ne nécessite pas une structure supplémentaire et donc qui permette de mettre en œuvre l'ensemble sur le même temps. Donc ça nous a amené à nous intéresser aussi pas mal à la question des fibres dans la terre et dans la Bauge en particulier. Et aux ressources locales. Donc, on a testé dans le cadre de ce projet pas mal de fibres différentes, le roseau, le lin, le chanvre, qu'on trouve et qui sont produits en Normandie, comparé à la paille qui était utilisée traditionnellement dans la construction en Bauge. Et finalement, on s'aperçoit que le lin, notamment, donc production normande s'il en est, est probablement la fibre qui nous permet d'obtenir les meilleurs résultats, notamment en termes de performance mécanique. On multiplie presque par deux la résistance mécanique par rapport à la paille traditionnellement utilisée dans la Bauge. Et puis le roseau ou la chaîne Vought qui nous permettent d'obtenir de très bons résultats en termes de performance thermique sur des mélanges de terre allégée. Donc on est actuellement en train de développer un certain nombre de prototypes. Les essais de laboratoire ont été réalisés, nous ont permis de trouver un peu les formulations les plus adaptées. Et donc, on en est aujourd'hui à construire un certain nombre de prototypes. Donc, ici, dans l'enceinte de l'Université de Plymouth, deux murs qui vont être soumis à différents tests de résistance à la compression, de tests éventuellement au basculement. Donc, les Anglais s'amusent à construire des murs qu'ils vont détruire. Et puis, on a également la réalisation de deux bâtiments réels, donc qui ne sont pas forcément des bâtiments extraordinaires, mais qui nous permettent de nous placer dans un contexte de construction réel à échelle 1 et de tester différentes dispositions constructives à partir de ce nouveau procédé qui mêle à la fois porteur et isolant. Donc, un premier prototype qui a était commencé fin 2019 en Normandie, que vous avez sur la gauche, donc un tout petit bâtiment de 13 mètres carrés au sol, hein, donc vraiment un concentré de toutes les difficultés qu'on peut imaginer sur une construction neuve. Et puis, donc, bâtiment qui va voir le jour cet été à Plymouth, dans un contexte complètement différent, contexte urbain très serré, donc qui va nous permettre en fait de comparer avec nous notre contexte rural avec beaucoup de surface pour travailler avec des engins de chantier, de le comparer avec un contexte très très circonscrit où la problématique de gérer le chantier par grue et non par engin de chantier pelleteuse, etc., va introduire une difficulté supplémentaire. Et donc ce prototype qui est en cours de réalisation ici, donc vous voyez le procédé, on a amélioré un peu les banches en adaptant des banches
du béton, donc des branches alu plus légères à manipuler pour les entreprises, et où on travaille à la mise en œuvre, donc avec un coffrage intermédiaire que vous voyez à gauche, qui nous permet de d'abord mettre en œuvre une petite couche de bauge, puis de mettre en œuvre une couche de terre allégée en extérieur. Bâtiment qui est truffé de sondes, qui nous permettent aussi là d'accumuler pas mal de connaissances sur la technique, sur les mécanismes de séchage, à terme les mécanismes de transmission de la vapeur d'eau, de transmission de la chaleur au travers du matériau. Donc, bâtiment qui est suivi sur le plan scientifique de manière intéressante, que l'on suit également sur le plan chantier, c'est-à-dire voir comment ce qui est coupé au ciseau en laboratoire, comment est-ce qu'on le produit en situation réelle de chantier, combien de temps les entreprises mettent pour mettre en œuvre ce procédé, est-ce qu'on arrive à obtenir une régularité des mélanges, de qualité des mélanges. Donc voilà, on est observé, scruté sur cette construction par les universitaires. Donc voilà, vous en êtes à peu près, on en est arrivé à peu près à ce stade-là aujourd'hui. Donc il nous reste encore deux levées pour atteindre l'équivalent d'un R plus 1 pour ensuite pouvoir imaginer développer de nouveaux projets qui sont en cours d'étude actuellement. Donc voilà pour ce petit tour un peu des quelques expériences de terre. Donc là, j'ai été un peu sélectif, c'est vrai, je me suis vraiment attaché plutôt à la problématique porteuse et pas forcément au décor ou au second œuvre, on va dire, mais qui permet quand même de montrer qu'on arrive à réaliser un certain nombre de choses. Il ne faut pas non plus, par contre, se masquer les difficultés qu'il peut y avoir, hein, notamment quand on a une maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises qui ne sont pas forcément formées. Donc, c'est compliqué, en fait, d'intégrer le matériau terre si on n'a pas un ensemble ou un minimum de partenaires autour de projets qui ont une connaissance du matériau, de ces problématiques, à la fois sur la gestion des délais de chantier, sur la question de l'évaluation des coûts du projet, sur la maîtrise technique, sur la validation des procédés, etc. Ça complexifie d'autant l'émergence de projets nombreux. On a aussi globalement, comme je le disais, on est parti d'entreprises qui se sont formés sur la rénovation, donc plutôt un tissu d'entreprises artisanales qui n'ont pas forcément l'habitude de répondre à des marchés publics, qui n'ont pas forcément l'habitude non plus de maîtriser des gros chantiers en termes de gestion des flux financiers, hein, ne serait-ce que ça, commander de la matière première, louer des engins de chantier quand on n'a pas les reins très solide derrière, c'est compliqué, ça met en danger les entreprises. Et je vous ai montré pas mal de chantiers réalisés par les frères Bon. C'est aujourd'hui une entreprise qui malheureusement n'existe plus parce que voilà, ils se sont mis en difficulté sur de trop nombreux chantiers et ça a fini par les user. Il y a encore la question du coût, même si on peut arriver à optimiser l'utilisation de la terre dans un ensemble et dans un projet cohérent, mais il ne faut pas se voiler la face, ça reste une technique de mise en œuvre qui fait appel à beaucoup de main-d'œuvre, donc avec des coûts qui sont conséquents et donc qui peuvent être encore dissuasifs. Et puis, un cadre normatif et assurantiel qui n'est pas forcément évident non plus à maîtriser. On n'a pas de DTU, on n'a pas de normes, on n'a pas de règles professionnelles sur la construction en terre. Donc, ce n'est pas forcément évident d'arriver à ce que l'ensemble des acteurs soit ne serait-ce que suivi par leurs assurances. Et puis, petite nouveauté pour la partie plutôt ouest de la Normandie, c'est qu'on a été aussi un peu requalifié sur le plan sismique, et même si on n'est pas dans une zone très fréquemment soumise à des séismes, en tout cas la réglementation qui s'applique aujourd'hui, notamment dans la Manche, vient complexifier encore un petit peu l'émergence de projets neufs. Alors, par contre, quand même un peu d'optimisme dans tout ça, c'est qu'effectivement, il y a quand même globalement un sociétal qui est beaucoup plus favorable à la construction en terre, à la construction écologique, je veux dire, de manière générale. Donc, on a quand même plus de facilité à
proposer ces idées-là. On a aussi le contexte réglementaire qui, on l'espère, va nous permettre d'être un peu plus présents, notamment sur la, par le biais de l'énergie grise, qui devrait permettre de favoriser un peu les techniques biosourcées globalement et puis également la technique de construction en terre. J'entendais parler assez récemment des questions d'envol du prix du bois, donc je me dis qu'on a toutes nos chances là encore un peu plus si les prix du bois continuent à augmenter, la terre va devenir bon marché. Mes plaisanteries mises à part, on a quand même une première démarche de guide de bonne pratique qui a été réalisée, qui sont disponibles, largement diffusées, donc qui sont un premier pas, un premier outil qui permet de rassurer éventuellement ou de donner un certain nombre de directives pour les différents intervenants du bâti. Et puis également, des démarches de réalisation de FDES, donc de fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur la construction en terre, qui là aussi devraient nous permettre d'avoir un certain nombre de billes pour valoriser ces techniques-là. Si on regarde aussi, je me suis amusé en préparant cette conférence à regarder un peu la question de la ressource qui finalement est assez peut être une question. On n'est pas dans une véritablement un matériau renouvelable. La ressource n'est pas renouvelable ou pas en tout cas à l'échelle humaine. Donc la question de la ressource peut se poser, mais simplement en regardant là sur cette étude de 2010. Sur les déchets qui sont émis par le secteur du bâtiment. Si on regarde simplement ce qui est produit sur terre et matériaux meubles non pollués, ça représente près de 3000 kilotonnes par an qui sont mis en décharge. Je me suis amusé à faire un rapide calcul. Si on en prend en compte que la moitié, ça nous permettrait quand même de générer à peu près 2 millions de mètres carrés par an, ce qui, grosso modo, sur un logement moyen de 150 mètres carrés, permettrait de sortir à peu près 16 000 logements individuels par an. Donc, quand on sait qu'il y a eu à peu près 15 600 logements mis en chantier en 2019, vous voyez que la question de la ressource, elle est. Et là, ce ne sont que les terres mises en carrière. Donc, il y a un gisement quand même qui est assez conséquent de ressources qui n'est pas du tout valorisé, donc sans même taper dans de nouvelles ressources. Alors nous, dans cette démarche-là, on a commencé à travailler un peu cette question-là aussi, donc ce qui demanderait évidemment à être étendu, élargi comme démarche, mais à commencer à identifier parmi les carrières qui génèrent des granulats. Souvent, les terres de découverte ne sont pas valorisées ou elles vont servir à reboucher les carrières en fin de vie. Il y a aussi la question des boues de lavage qui peut se poser et qui sont finalement des ressources qu'on pourrait relativement facilement utiliser. Donc, on a commencé ce travail un peu de répertorier les ressources, de qualifier les ressources pour permettre éventuellement d'utiliser ces matériaux-là. Donc, c'est voilà, une première amorce qui permet de trouver éventuellement des fournisseurs de terre quand le terrain, le site même de la construction ne permet pas d'y accéder facilement. On a aussi toute la problématique de la formation. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on forme régulièrement, notamment avec le Greta de la Manche, de futurs professionnels donc qui viennent se qualifier. Ça peut être des architectes, des ingénieurs qui viennent apprendre un peu plus sur les écomatériaux, mettre les mains dedans. Et donc, qui apprennent ces techniques de terre. On commence à aussi qualifier aussi le savoir-faire. Donc, on s'est inscrit, on a participé à l'élaboration d'un référentiel de compétences sur la construction en terre mis en place à l'échelle européenne, donc qui permettent de valider les acquis des différents professionnels sur la construction en terre.
Et puis, on essaye aussi de sensibiliser les jeunes et futurs professionnels, en intervenant le plus possible dans les lycées professionnels. Quelques images d'une expérimentation qu'on a fait récemment avec des classes de bac pro et de bac technique qui ont travaillé ensemble sur la création de quelques blocs préfabriqués. Et puis l'intervention au sein de l'école d'architecture, donc là à la fois en tant que parc et en tant que maintenant enseignant, mais qui nous permet d'introduire ce matériau-là de plus en plus dans le cursus de formation des architectes, de les initier à cette technique-là, à ses particularités, donc avec pas mal d'expérimentations produites par les élèves, par les étudiants, qui introduisent de plus en plus dans leur projet ce matériau. Donc moi, ce qui m'enchante, ce qui fait râler le service de nettoyage de l'école qui doit passer après moi, mais qui permet vraiment d'introduire de plus en plus ce matériau terre dans les projets des futurs professionnels. Donc on a travaillé également sur quelques réalisations avec les étudiants, réalisation d'un petit bâtiment de prototype dans lequel les étudiants ont utilisé la bauge préfabriquée pour réaliser un mur trombe. Et puis là, quelques exemples de PFE, donc de diplômes d'architectes qui sont tenus l'année dernière, donc avec le projet de Pierre Clesançon sur de mes Mémoire Dieppe, et puis le projet de Flore Gutteville ici sur le Havre pour une crèche. Donc voilà, de plus en plus dans ces nouveaux diplômés, des jeunes professionnels sensibilisés à la construction en terre et qui, je l'espère, nous permettront de développer vraiment ce matériau. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long et pas avoir trop trop débordé. Non, c'était parfait, François. Bois un coup. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Non, je me retenais, à titre personnel, je me retenais pour te poser 12 000 questions. C'était très intéressant, très riche. Bon, il y a eu un certain nombre de questions posées dans le chat, donc je vais y revenir si Pas de tu es. problème, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi le chat, Non, mais c'est donc normal. Mais je te fais confiance pour me. voilà, je vais y revenir. Je vais donner la parole à ceux qui ont posé des questions. Et n'hésitez pas, pour toutes celles et ceux qui veulent en poser, de les inscrire. Il y avait une question au tout début, c'était quel genre de mortier pour les briques de terre crue? En général, on utilise le même matériau, ce sont des mortiers de terre. Donc simplement un dosage éventuellement à établir entre sable et terre, mais c'est vraiment la terre et en particulier l'argile qui est présente dans la terre qui va faire le liant du matériau et des mortiers. D'accord. A priori, tu as dû citer une entreprise de maçonnerie de Bauges près de Rennes. La Oui. conférence. Alors, c'est l'entreprise Terre Crue, donc Ghislain Metz, qui est basée sur. J'ai un trou de mémoire. Un peu au nord de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo. Bon, je ne retrouve pas le nom. Mais c'est l'entreprise Terre Crue, voilà. OK. Qui travaille sur. Beaucoup de chantiers. Alors, ce sont des chantiers participatifs, donc c'est un modèle économique un peu particulier. Donc, il a développé cette technique du ce qu'ils appellent le caillebotis en Bretagne et qu'on appelle nous les gazons, mais de ces briques meubles empilées. Donc, il a utilisé des coffrages qui lui permettent en fait de guider les bénévoles de ces chantiers, donc ils n'ont pas forcément un savoir-faire de maçonnerie. Donc, les coffrages lui servent de guide. Et comme les briques sont meubles mais relativement fermes, elles ne collent pas véritablement au coffrage. Et donc, ça lui permet d'être relativement tranquille et serein sur du chantier fait par des bénévoles, en fait, qui vont simplement empiler ces mottes de terre dans un guide formé par le coffrage. Et donc, qui lui permet de construire, du coup, relativement rapidement aussi, parce que la terre est ferme. Mais voilà, qui est un modèle économique un peu particulier basé sur le chantier participatif. Okay.
Juste, on évoquait, tu parlais effectivement de l'aspect économique, notamment du pisé ou des murs en bauge. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée de... Alors ça dépend évidemment beaucoup du contexte du chantier, mais on va être en général aux alentours de 500 voire 600 euros du mètre carré pour un mur de pisé. Et la bauge en mise en œuvre traditionnelle aujourd'hui est plutôt facturée aux alentours de 450 euros du mètre carré. On a espoir de pouvoir baisser les coûts en mise en œuvre par l'utilisation des coffrages. On a espoir de pouvoir baisser un peu le coût de mise en œuvre de la bauge traditionnelle. Pour les murs liés à Cobauge, on attend d'avoir un peu plus d'expérience, mais pour l'instant, on arriverait probablement à être au même coût que le mur en pisé, en ayant également la partie isolation incluse dedans. On a bien compris que ces coûts au mètre carré qui peuvent paraître importants sont en grande partie de la main-d'œuvre. C'est en grande partie de la main-d'œuvre. Alors, la matière première peut avoir quand même un impact sur le coût, notamment quand on achète la matière première dans des carrières. Donc, le coût du matériau plus le transport peuvent avoir un impact, mais c'est principalement la main-d'œuvre locale qui coûte cher, hein, effectivement, dans ces procédés-là. Alors, après, il y a aussi, sur la question de l'économie, il y a toute une démarche qui peut être faite également sur l'optimisation, sur le côté high-tech et l'ingénierie du bâtiment, c'est-à-dire toute la question de la ventilation, du chauffage. Si on prend bien en compte les caractéristiques du matériau terre, on peut considérablement optimiser ces postes-là et éventuellement réduire un peu ces postes-là, donc ce qui peut compenser d'une certaine manière le surcoût que peut représenter la construction de murs. Mais après, là, c'est vrai que j'ai présenté beaucoup de projets où la terre est utilisée comme mur porteur ou mur massif. On peut aussi introduire de manière beaucoup plus raisonnable et limiter la terre dans des projets, que ce soit du cloisonnement en briques de terre crue dans une maison bien isolée en bois. C'est une manière d'introduire ce matériau-là, d'introduire du confort aussi par l'inertie apportée et à des coûts relativement moindres. La réalisation d'enduits de terre crue en intérieur, des enduits recyclables, réparables, qui régulent l'humidité, qui sont chaleureux, ça coûte pas plus cher que de faire des enduits à la chaux. Hein, donc, il y a là aussi toute un champ de possibles assez important. Tout à fait. Lorsque tu évoquais le projet de l'atelier Cube 3, où il y avait des raidisseurs béton, est-ce qu'il aurait été possible de faire autrement? Oui, on aurait pu ne pas en avoir. Oui, j'ai toujours compris. Du tout. Simplement. Non, oui, là c'était vraiment le parachute par-dessus les bretelles et avec la ceinture, et qui finalement finissent par comprimer un peu trop le bonhomme, quoi. Donc, on aurait pu être beaucoup plus léger et simplement à la limite, se contenter de raidisseurs béton verticaux. Les horizontaux, en tout cas, n'avaient aucun intérêt et ça aurait moins nui à la stabilité du bâtiment, finalement, et des murs. Et puis, on aurait pu trouver d'autres moyens de réaliser ces raidisseurs avec des solutions différentes, de type acier noyé, beaucoup plus fin, qui auraient un moins impacté, en tout cas, le pisé, la réalisation en pisé. Et une question Et de... l'autre solution aurait été de changer de bureau de contrôle. C'était une autre solution. Mais c'est plus D'accord. compliqué une fois que c'est lancé. Bon, ce n'était pas une charge sur les bureaux de contrôle, c'est simplement le fait Non, que pas uniquement. Non, non. toute l'équipe soit C'est ça. prête. C'est effectivement le problème. C'est que là en l'occurrence, le matériau, la technique lui est tombé dessus alors qu'il n'y connaissait rien. Il n'a pas été préparé pour le bureau de contrôle. Mais à partir du moment où effectivement on sélectionne le bureau de contrôle et qu'il travaille aussi en connaissance de cause, bon, ça.
simplement un entretien au moment de la sélection du bureau de contrôle permet de voir tout de suite la personne qui a un minimum de sensibilité ou qui s'intéressera à la question et poussera peut-être les investigations un petit peu plus loin que sa zone de confort et que les DTU qu'il maîtrise. Et là, à partir du moment où on sélectionne un bureau de contrôle voilà, ouvert et intéressé, les projets peuvent être intéressants de tout point de vue, parce qu'il y a aussi un dialogue, un questionnement qui nous pousse, nous aussi, militants du matériau, à penser bah, les problématiques résistance au feu, les problématiques de résistance au séisme, etc. C'est des choses qui sont évidemment nécessaires et importantes et qui nous permettent d'avancer aussi sur ces questions-là. Ok. Question, toutes les réalisations en pisé sont-elles stabilisées au ciment ou non? Alors non, la plupart des réalisations que je vous ai montrées là sont non stabilisées. On se force, nous, à travailler vraiment la notion de terre crue, si ce n'est donc les exemples de terre coulée que je vous ai montrés, où on est, si on cumule chaux et ciment, à une stabilisation de l'ordre de 14%. 14%. La plupart des projets que je vous ai montrés en pisé, je crois qu'il y a peut-être juste ce bâtiment sur la Comcom, Sefto, qui a dû être stabilisé du fait de l'exposition. Oui, c'était un autre problème. Effectivement, ce grand mur de 6 mètres de haut est exposé plein ouest. Et le mur devait être beaucoup plus bas et protégé par une casquette, donc une toiture largement débordante, qui n'a pas été accepté à l'époque par l'architecte des bâtiments de France, qui avait son mot à dire sur ce projet-là, et donc qui a poussé à avoir un volume très épuré. Donc c'est très bien en béton, mais en terre, c'était un peu risqué. Donc là, l'entreprise a stabilisé un peu au ciment sur ce projet-là. Sinon, tous les autres sont vraiment en terre crue. Ce n'est donc pas obligatoire. Absolument pas, non. Non, non, non. Une Au contraire. question. Quel type de terre pour la bauge et quel temps de séchage entre chaque palet 30 cm quand c'est coffré? Alors, quel type de terre? La bauge, c'est la technique la plus souple qui existe. On peut faire de la bauge avec de la terre à piser et on peut faire de la bauge avec une terre très très fine, très argileuse. Donc, c'est un autre de ses intérêts, en plus d'être moins sensible à l'eau. On va simplement en fait adapter à chaque fois la quantité de fibres végétales qu'on va ajouter en fait. Si on a une terre très graveleuse, c'est finalement les graviers, les cailloux qui vont jouer le même rôle de contrer le phénomène de retrait du matériau au séchage. Et quand on a des terres beaucoup plus fines, on va simplement ajouter plus de fibres végétales pour compenser ce problème-là. Donc c'est juste une question de proportion de dosage de ces différents adjuvants ou agrégats plutôt. Donc les temps de séchage, donc quand on est sur de la bauge traditionnelle, on avait coutume de dire qu'il fallait attendre effectivement 2 à 3 semaines entre chaque levée, entre chaque couche de 80 cm de hauteur. C'est ce qui semble se vérifier d'après les mesures qu'on a faites sur le bâtiment Cobauge. Donc les premières mesures là, faites par le SITC montrent qu'effectivement ces 3 premières semaines sont probablement celles où on perd la plus grande quantité et le plus rapidement de l'eau dans le mélange, donc où la terre sera fermée. Ceci étant, ce n'est pas un mur qui sera sec. Véritablement à cœur. Là, l'état hydrique, il est atteint au bout d'un an, hein, véritablement. Mais au bout déjà de 3 semaines, le mur est suffisamment résistant pour supporter des charges de plancher, de charpente, et puis ou simplement supporter le poids de la levée supplémentaire. Donc, par contre, quand on a fait ce bâtiment dans l'Orne, les couches de 30 cm, le temps de finir le bâtiment en moins d'une semaine, on pouvait remonter dessus, hein. Donc ça a été vraiment une construction continue, hein. Je vous dis juste 15 jours d'arrêt à mi-hauteur. Ok. Est-ce que tu aurais des géotechniciens ou des bureaux d'études à conseiller pour mener des études en amont? C'est-à-dire qui serait capable d'accompagner pour faire le choix entre les différentes techniques. J'imagine en analysant la terre, disponible. Alors,
Les analyses de terre peuvent être faites par divers laboratoires. Alors, il peut y avoir même des analyses assez rapides faites par les laboratoires qui travaillent sur les analyses des terres agricoles, simplement en leur spécifiant peut-être d'aller un petit peu plus loin dans les tests qui sont réalisés, mais à minima, une granulométrie peut être faite rapidement et sans un coût exorbitant. Maintenant, quand on veut chercher un petit peu plus loin les choses et aller plus loin que les tests de chantier que les entreprises maîtrisent et connaissent. Là, il n'y a pas forcément beaucoup de laboratoires, si ce n'est les labos des universités comme celle du Havre qui a travaillé sur le CEMATER ou l'USITC à Caen. Bon, nous-mêmes, au parc, on a un petit peu de matériel qui peut nous permettre de faire ce type d'études sur les projets qu'on suit. Voilà, après, on peut toujours aussi voir avec les laboratoires type Amaco, Cratère, qui peuvent également faire ce type d'études. Hein. C'est juste un échantillon à envoyer finalement. Donc voilà, ça peut être une manière de réaliser ces tests-là. Alors, quand on va construire en terre, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que le matériau est très variable, même sur le site d'extraction. Donc, il est important, en fait, quand on va faire ces travaux de sondage, d'être vigilant, en fait, aux différents horizons géologiques qu'on décape au fur et à mesure. Parce qu'à quelques mètres de profondeur différents, vous pouvez avoir des qualités de sol différentes. J'ai fait une étude sur un projet de construction dans la Manche, où en faisant une tranchée de 2 mètres, on a identifié 4 natures de sol un peu différentes et qui, effectivement, au travers des analyses, nous ont montré 4 compositions granulaires complètement différentes. Alors ça peut être intéressant parce que ça peut permettre d'optimiser les mélanges, mais ça peut, voilà, ça peut introduire aussi un peu d'erreurs d'appréciation si on se contente juste d'un petit prélèvement. Donc il faut quand même être habitué un peu à reconnaître ces terres-là pour savoir où creuser, comment creuser et jusqu'à quelle profondeur aller, quoi. Il y avait une question, est-ce que la masse de la Terre peut compenser la présence d'un isolant d'un point de vue thermique? Non, d'un point de vue thermique, non. Alors, c'est toute la difficulté du matériau sur le plan du confort et son comportement thermique. C'est que ce n'est pas un matériau qui, à proprement parler, est isolant. Donc, il a même une bonne capacité en fait, à laisser migrer la chaleur au travers du matériau. Hein. C'est un peu moins pire que le béton, mais c'est quand même assez conducteur. Par contre, il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont intéressantes dans ce matériau-là. C'est d'une part l'inertie thermique, donc une très bonne capacité à stocker la chaleur et avec un déphasage qui est assez intéressant, donc qui permet de relarguer cette chaleur en quelque sorte à une période intéressante, notamment en fin de journée, quand le mur a accumulé de la chaleur tout au long de la matinée et de l'après-midi. C'est aussi un matériau qui a une très forte capacité à réguler l'humidité intérieure du fait de l'activité des argiles hein, qui, entre les feuillets, vont stocker, vont jouer un peu le rôle d'éponge et réguler l'humidité intérieure. Donc, ce qui fait qu'en régulant cette humidité, on peut avoir une sensation de confort, même pour des températures finalement peu élevées par rapport à du bâti conventionnel. C'est-à-dire que dans une maison en terre, si on est à 19-20 degrés, on se sentira probablement aussi bien que dans une maison un peu cocotte minute contemporaine où il faudra chauffer à 22 avec une VMC qui tourne en permanence. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on arrive quand même à générer une forme d'économie, mais qui n'est pas forcément calculée par rapport au fonctionnement théorique du bâtiment. Et puis, autre dimension qui est en cours d'étude aussi, c'est la question du changement de phase de l'eau, notamment dans ce phénomène de condensation au cœur du matériau, au cœur des argiles, et qui tendent à probablement rendre le mur un peu plus chaud en hiver, au moment où l'humidité se condense, et au contraire, à rendre le mur un peu plus froid et donc à climatiser un peu les intérieurs au moment où cette humidité stockée pendant l'hiver se relargue au cours de l'été, notamment dans les intérieurs. Mais là, ce sont des mécanismes
qui sont vraiment en cours d'études. C'est des choses qu'on pressent, qui commencent à être étudiées, mais qui sont loin d'être prises en compte dans les moteurs de calcul dynamiques ou voire réglementaires. C'est clair. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, si on veut faire passer un projet en terre, soit il faut effectivement être très, très performant sur tout un tas d'autres parties du bâtiment, soit accepter qu'il y ait un peu d'isolation sur ces bâtiments. Donc, on peut arriver à éventuellement jouer un peu sur la marge, sur les bâtiments privés, sur les bâtiments publics, ça devient plus compliqué. Parfait. Une question qui va peut-être libérer beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Quelle est la différence entre la Bauge et le Pisé? Ah, ouais, c'est vrai, du coup, je suis un peu parti sur mon cours habituel. Donc, le pisé, on va être sur effectivement une technique d'une terre qui est compactée dans un coffrage. Donc, c'est une terre qui est plutôt graveleuse, donc chargée en granulats assez grossiers, avec suffisamment d'argile pour coller tous ces granulats, mais qui demande juste un tout petit peu d'eau à l'intérieur du matériau pour permettre simplement aux argiles de bouger légèrement, mais sous l'action mécanique d'un fouloir pneumatique, donc traditionnel, d'un fouloir. Traditionnellement, donc c'était ce qu'on appelle un pissoir, hein, une masse de bois qui était utilisé par par les maçons donc qui compactaient dans le coffrage ce matériau terre. Donc on est obligé de procéder par tout petits lits successifs. Hein, vous les apercevez peut-être derrière moi. La bande noire que vous apercevez, c'est à peu près un lit de terre hein, donc qui fait 15 cm dans le coffrage et qui est compacté pour revenir à peu près à 8 cm d'épaisseur une fois compacté. Donc très peu d'eau du coffrage. Donc on est sur une technique qui a généré dans la région Rhône-Alpes et dans le Dauphiné en particulier d'abord les pisés de mâchefer et puis après un peu le béton armé écoulé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc une technique qui est plutôt présente dans toute la région Rhône-Alpes parce que les terres sont plutôt bien adaptées à ça et qu'effectivement aussi les conditions climatiques ont favorisé cet usage-là. La bauge, ça va être un mélange plastique mou de terre, d'eau et de fibres végétales. Alors, la fibre végétale dans des proportions variables suivant les régions, les cultures locales, mais qui est malaxée sous forme voilà, et qui va être mise en œuvre par empilement de mottes. Donc soit travailler à la main, soit travailler à la fourche, qui sont empilés, sans coffrage. Donc c'est vraiment un façonnage du mur qui est monté débordant, c'est-à-dire qu'on a en général un débord de 5 à 10 cm. On essaye d'être plutôt à 5, ça fait moins de matière à enlever. 5 cm de débord par rapport au nu fini du mur. Qu'on va laisser sécher à peu près une journée ou deux, suivant les conditions climatiques, et qu'on va ensuite retailler avec une bêche tranchante, ce qu'on appelait un paroir. On se place sur le dessus du mur et on vient redécouper, comme on découpe du beurre, hein, on vient redécouper la terre pour donner au mur son aplomb définitif. Et ensuite, le mur est rebattu à coups de bâton électrique. Mais comme on monte avec un matériau qui est mou, eh bien, il atteint une certaine limite. C'est-à-dire que c'est la fibre, les granulats, l'argile qui sont dedans et la quantité d'eau qui sont dedans qui rendent le matériau plus ou moins meuble, plus ou moins, qui se structure plus ou moins et qui permet en fait de monter plus ou moins haut la levée. Mais globalement, on a des murs qui font entre 50 et 80 cm de hauteur en moyenne, enfin des levées qui font entre 50 et 80 cm de hauteur, qu'on laisse sécher 2 à 3 semaines avant de pouvoir remonter une couche suivante, etc. etc. Donc on lit un peu la même chose que dans les bâtiments pisés, c'est-à-dire des grandes lignes horizontales qui correspondent dans le pisé à la hauteur du coffrage. Dans la bauge, ça correspond à la jonction et aux différentes étapes, aux différentes successions de levées. Voilà. Donc c'est deux techniques vraiment radicalement différentes. Elles sont toutes les deux porteuses, toutes les deux de la terre massive et porteuse, mais un état, ce qu'on appelle l'état hydrique, donc une teneur en eau qui est radicalement différente. Okay, merci. Quelqu'un qui nous demande s'il existe un réseau terre des filières dans d'autres régions.
Alors, il y a plusieurs réseaux qui existent, hein. Il y a beaucoup de réseaux régionaux qui se sont structurés de manière plus ou moins ancienne. Je pense à Réseau dans le sud-ouest, au réseau Terra dans la région Rhône-Alpes. En Normandie, on a l'ARP. Il y a Ah, j'ai oublié le collectif. Non, ce n'est pas le collectif, le réseau du Torchi dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, donc voilà, il y a pas mal de réseaux qui sont structurés. Il y a les terroirs armoricains en Bretagne. Donc tous ces regroupements ont permis de développer pas mal d'actions, de connaissances, de développement de formation, de savoir-faire sur les régions. Et puis, il y a ensuite des regroupements plutôt à l'échelle nationale. Donc, certains groupes régionaux sont affiliés au réseau Ecobâtir. D'autres se sont regroupés au sein de l'ASTER, qui est une initiative d'ailleurs normande, hein, qui a été un peu mise en place à l'initiative de la CAPEB Normandie. Et donc, qui, sur le plan national, sont maintenant regroupés dans la Confédération des constructeurs de terres crues, et donc qui regroupent pas mal de ces instances-là au niveau national pour œuvrer notamment au guide de bonne pratique que j'ai voté tout à l'heure, qui œuvre actuellement sur les FDES, etc. Donc voilà, il y a pas mal de structures régionales et nationales et puis tout ce petit monde-là se retrouve aussi dans des réseaux européens qui sont très actifs sur la construction en terre. Okay. Est-ce que c'est parmi ces réseaux qu'on peut trouver les écoles qui enseignent Alors, les écoles, non, pas nécessairement, sont pas encore toutes vraiment dans ces réseaux-là, si ce n'est celle qui, sur le plan historique, a accueilli Crater, donc l'école de Grenoble. Mais il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, d'écoles d'architecture, hein, j'imagine que c'était peut-être autour de ça que pas tournait la forcément. question, pas forcément. Donc pour les écoles d'architecture, en tout cas, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Donc en Bretagne, pas mal d'enseignants, notamment Loïc Debasse, travaillent sur la construction en terre. Il y a eu déjà des travaux de réalisés sur l'école de Nantes. Donc voilà, les écoles d'archi s'y mettent un petit peu. Pour ce qui concerne les formations, on n'est pas forcément sur des écoles, mais plutôt des centres de formation qui, là également, alors se retrouvent, hein, plutôt dans ces réseaux régionaux et nationaux. Mais pour la Normandie, on a évidemment l'ARP qui accueille de temps en temps des formations, en organise. On a le Greta de la Manche. On va avoir d'autres organismes qui existent en Bretagne. J'ai plus les noms en tête. Nouria et compagnie. Il y a Batipôle plus dans le sud. Il y a aussi pas mal d'organismes dans la région d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, il y a pas mal d'organismes qui aujourd'hui offrent de la formation. Certaines formations sont diplômantes ou qualifiantes, d'autres uniquement certifiantes. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Donc tout dépend de ce que l'on cherche. Mais en tout cas, en s'adressant à ces différents réseaux locaux ou nationaux, vous pouvez obtenir assez facilement de l'information. Très bien. Il y avait une question. Quelle est la réaction de ce matériau, la terre, en termes de durabilité? On l'a montré. Bah les bâtiments, quelques bâtiments que je vous ai montrés datent du 17e. Le bâtiment le plus ancien qu'on ait sur le territoire du parc, encore en place, c'est du 16e. On a pas mal de traces archéologiques dans des murs encore existants du 13e, du 14e dans le sud-ouest. Donc, et vous avez un patrimoine au niveau mondial qui date de l'Antiquité. Donc, la terre est un matériau durable, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, à partir du moment, évidemment, où on a conscience de sa fragilité et qu'on entretient le bâtiment. Donc, à partir du moment où le savoir-faire est maintenu, que les bâtiments sont entretenus, la durée de vie de ces bâtiments, elle est de plusieurs siècles sans aucun problème. Avec un matériau qui est adaptable, donc qui va accepter assez facilement des transformations, de la réutilisation, du remploi, des adaptations. Donc voilà, c'est un matériau relativement souple.
Est-ce que la mécanisation, qu'on voit bien comme une solution pour faire baisser les coûts, peut être compensée par, justement les chantiers participatifs? Alors, tout dépend de quel point de vue on se place sur le plan purement économique. Le fait de mécaniser, effectivement, nous permet d'obtenir une bauge à des prix tout à fait raisonnables. Si je compare, effectivement, avec les chantiers de Ghislain Metz en Bretagne, qui ne sont pas du tout mécanisés, bon, effectivement, son coût main-d'œuvre, il reste le même, comme pour n'importe quelle entreprise du bâtiment. Il peut y avoir des petites différences, mais le coût horaire des compagnons reste le même, hein, reste à peu près le même. Donc, s'il faisait ce bâtiment, ces bâtiments, ces murs par lui-même en tant qu'entreprise tout seul, là, les coûts seraient probablement très prohibitifs s'il n'avait pas recours à ce côté participatif pour fouler la terre, pour envoyer la terre à la main et avoir certains chantiers silencieux et efficaces sur le plan carbone notamment, hein, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas négliger. Mais par contre, dans un contexte de chantier réalisé uniquement par entreprise, si on ne mécanise pas, là, les coûts sont prohibitifs et n'auraient rien à voir avec ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc la mécanisation est une manière de compenser ce participatif. Donc c'est différentes optiques. OK. Quelle est la meilleure ventilation à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation en bauge, chez un particulier? Alors là, je vais être plutôt militant là-dessus. La ventilation naturelle, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais non, ce serait un peu caricatural. Mais le matériau. Alors, j'ai en référence en fait une publication qui a été faite au cours d'un colloque à Lyon il y a quelques années, d'un projet de recherche en Allemagne, où la rénovation d'un appartement a été faite entièrement avec des matériaux terre, où on a réduit la ventilation du bâtiment, enfin de l'appartement en question, à uniquement un petit extracteur couplé à une sonde de détection de CO2. Donc on n'est pas du tout sur un système de ventilation continue, on est sur un système de ventilation qui se met en route uniquement quant le taux de CO2 devient critique pour la santé humaine. Et l'ensemble de cet appartement a été appareillé pour voir notamment la question de la qualité de l'air à l'intérieur. Et ils se sont aperçus que finalement les argiles qui servent aussi à réguler l'humidité, bah, servaient aussi de très bons capteurs des COV et des polluants atmosphériques. Donc ce qui est relativement intéressant et montre qu'effectivement on pourrait là encore optimiser la question du renouvellement d'air. Donc sans aller forcément jusqu'à cet extrême-là, je pense qu'on peut effectivement assez raisonnablement envisager des solutions beaucoup plus douces que des solutions de VMC double flux ou autres. Bon, après, c'est avant tout aussi une question de conception du bâtiment. Chaque projet est évidemment différent, mais moi, en tout cas, en tant que signataire du manifeste de la frugalité heureuse, je suis assez frugal sur la ventilation et sur le high-tech dans les bâtiments. Donc, la maison dans laquelle je suis est uniquement en ventilation naturelle, absolument pas contrôlée. C'est juste une arrivée d'air derrière le poêle qui est derrière moi et juste une évacuation dans les pièces humides et on a un taux d'humidité relativement constant et la maison est tout à fait confortable à vivre. Et j'ai pas à gérer de l'entretien tous les ans. Ok. Où se renseigner sur les chantiers participatifs de la Terre Close? Oula, alors ça dépend dans quelle région on est. Pour ce qui concerne la région Normandie, c'est principalement l'ARP qui peut être vecteur de l'information. Et puis également dans la Manche, une association qui fait pas mal de chantiers participatifs qui s'appelle Enerter, donc qui est du chantier d'accompagnement à l'autoréhabilitation. Et donc dans lequel on fait souvent appel à de la main-d'œuvre bénévole pour aider les bénéficiaires de ces chantiers-là.
Voilà, donc après, à l'échelle nationale, là, les réseaux, c'est principalement les réseaux locaux, donc je n'ai pas évidemment une connaissance exhaustive. Et puis, il y a aussi tous les réseaux qui existent, type Twiza et autres, qui peuvent offrir des opportunités. Ok, une autre question. Toujours dans les techniques, on a évoqué la technique Pisé-Bauge. Quelle est la différence avec le torchis? Alors le torchis, c'est en général à peu près le même mélange que la bauge, donc un mélange de terre, d'eau et de fibres végétales. Mais le torchis va être utilisé uniquement pour combler les vides d'une ossature bois. Donc c'est un mélange qui est utilisé en accroche sur une ossature bois. Ça remplit les vides de l'ossature bois. Et c'est surtout pas porteur, et donc en très faible épaisseur. Donc là où un mur de bauge va faire en traditionnel 60 à 70 cm d'épaisseur, le mur de torchis va faire entre 8 et 15 cm d'épaisseur. Donc on n'a pas du tout le même comportement sur le plan mécanique, évidemment, puisque ça n'est qu'un remplissage, et un peu moins sur le plan de l'inertie thermique, du comportement thermique est un petit peu moins bon. On va voir si tu as réponse à tout. Quelqu'un qui se trouve en Guyane, Maëva, me demande si où en est-on de la construction terre crue en climat tropical humide? Alors, j'ai pas forcément connaissance de la Guyane en particulier, mais je sais qu'il y a un certain nombre de chantiers qui se sont réalisés au Chili, nord du Chili. Donc, on doit se rapprocher, je pense, de ce type de climat. Il y a également des projets qui sont réalisés de mémoire en Nouvelle-Calédonie. Qui utilisent la terre crue. Il y a aussi pas mal de projets qui voient le jour en Inde. Donc, il y a différentes approches. Je sais qu'en Inde, la problématique de la résistance à la mousson et aux pluies incite souvent les concepteurs là-bas à travailler sur de la stabilisation. Donc beaucoup de construction et d'expérimentation, notamment sur Auroville, fait avec des BTC, donc des briques de terre comprimées, mais qui en général sont stabilisées, pas forcément parce que ça mécaniquement ça a une meilleure résistance, c'est une réalité, mais c'est surtout la problématique de la résistance aux pluies qui est mise en avant. Voilà, donc, mais je n'ai pas forcément une connaissance, effectivement, je vais être un peu sec sur les autres références qui peuvent exister. Mais je Bravo. sais qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours ou qui se sont réalisés dans des climats plus chauds et plus humides que la Normandie. Il y avait une question pour revenir un peu sur le côté participatif, c'était comment ce modèle économique peut, comment les entreprises font avec ce modèle économique qui va utiliser plus de main-d'œuvre non qualifiée, il va falloir encadrer. C'est ce que tu évoquais là avec l'exemple breton, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, vraiment, l'expérience de Ghislain est assez intéressante parce qu'il a vraiment réfléchi son procédé de mise en œuvre en se basant sur les traditionnels et comment adapter le traditionnel pour qu'il lui permette de développer ce modèle de mise en œuvre. Donc, c'est vraiment spécifique à cette technique. Dans d'autres chantiers, les problématiques peuvent être différentes. Sur la question du pisé, si effectivement le compactage n'est pas bien maîtrisé, bah on peut se retrouver avec un certain nombre de défaillances, etc. Donc pour les entreprises, ça peut être plus compliqué à gérer. Après, c'est vraiment une question d'habitude et de réflexion. Les petites banches, les premières petites banches métalliques qu'on a utilisées et mises au point, je sais que le maçon qui les a fabriquées travaille beaucoup en chantier participatif. Et là encore, le coffrage sécurise, entre guillemets, le procédé. Et à la limite, sécurise même les bénévoles, puisqu'ils ont une forme de barrière, donc une mise en œuvre qui rassure un peu tout le monde. Donc pour la bauge, en tout cas, coffrée, ça peut être un moyen assez simple et où, à la limite, le coffrage demande moins de savoir-faire technique dans la mise en œuvre. Quand on monte à la main ou à la fourche, il y a quand même
pas mal de choses à connaître et à maîtriser pour éviter que le mur s'effondre en cours d'élévation. Quand il y a le coffrage, finalement, on piétine le mélange, on arrive à avoir un mélange homogène qui se tient bien, les risques d'effondrement sont très limités. Ok. Bon, peut-être quelques dernières questions. Après la Guyane, la Bourgogne. Vincent, s'étonnait que sur Aster, on ne voyait pas forcément de filière en Bourgogne, mais la question, c'est est-ce qu'il y a, le plus globalement, est-ce qu'il y a des territoires en France, métropolitaine, disons, qui ne se prêtent pas à la technique de la terre? Il y en a vraiment très peu. De la terre, en fait, il y en a quasiment partout et quasiment partout utilisable. À la limite, la première technique de construction en terre et qui là est vraiment présente partout, c'est celle du mortier qui sert à monter la plupart des maçonneries de pierre anciennes. La plupart des maçonneries de pierre traditionnelles sont montées au mortier de terre. L'utilisation de la chaux est très récente ou sur des édifices vraiment prestigieux. Donc la terre, le matériau, en tout cas, il y en a partout. Par contre, ce qui différencie une région d'une autre, c'est quand il y a éventuellement une matière première qui est utilisable plus facilement, plus rapidement, à des coûts moindres, etc. Donc quand on a plus de pierres, facile à extraire, facile à tailler, eh ben, on ne s'embête pas forcément à mettre un matériau un peu plus contraignant comme la terre. Si on a du bois, ça va être le même raisonnement. Donc aujourd'hui, utiliser ces techniques de construction en terre, c'est quasiment possible partout en France. La question, c'est plus effectivement l'absence de savoir-faire. Donc, quand on va vouloir utiliser ces techniques-là dans une région où il n'y a traditionnellement aucun savoir-faire, bah ça demande effectivement à aller chercher plus loin cette compétence, et ce qui rend du coup un peu plus difficile, l'émergence éventuellement de chantiers. Après, la question des réseaux aussi peuvent être plus ou moins développés. Si la Bourgogne, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'entreprise. Il y a un peu de pisé dans le sud de la Bourgogne. Il y a probablement quelques entreprises qui maîtrisent ces techniques ou qui rénovent en tout cas ces bâtiments-là. Elles ne sont pas forcément très connues ou affiliées. On a un peu la même problématique aussi dans l'Est, où il y a évidemment beaucoup de constructions en torchis. Il y a des entreprises qui rénovent ce torchis-là, mais qui ne sont pas forcément affiliées à des réseaux et pas forcément identifiées très clairement. Mais les compétences peuvent exister. Donc il faut aussi pouvoir se rapprocher là des locaux. Des réseaux locaux type MPF, par exemple, qui peuvent avoir connaissance d'entreprises qui travaillent en tout cas les techniques de rénovation et qui peuvent du coup peut-être plus facilement migrer sur des projets contemporains ou d'utilisation de ces matériaux-là. Okay, il y avait une question, c'était c'est les débords. C'est les débords de toit. Alors, ça parlait là, la question portée sur les enduits de bauge, mais plus généralement, peut-être, est-ce qu'il y a des règles de conception minimale quand on est en mur en terre par rapport aux débords de toit? Le principe, c'est l'adage que tout constructeur terre connaît, c'est bonne botte et bon chapeau. Donc, il faut protéger au maximum le mur des remontées capillaires, des rejaillissements d'eau pour éviter que la terre ne reprenne l'humidité par la base, puisque du coup, elle reviendra à l'état de boue et s'affaissera sous le poids des structures. Et puis, effectivement, protéger le dessus des murs de la pluie. Après, la question du débord de toit, elle est relativement complexe. Si on veut sécuriser, on met un débord de toit, on fait un débord de toit relativement important. Ça ne règle pas forcément tous les problèmes parce que chaque terre étant différente, elles peuvent avoir des sensibilités plus ou moins importantes à la question de l'humidité. Donc la quantité d'argile qui est présente dans la terre, le type d'argile qui sont présentes dans les terres rendent les murs plus ou moins sensibles à l'érosion, aux pluies battantes. Et le contexte géographique et climatique est évidemment prépondérant dans cette question-là. Entre une maison qui va être soumise à des pluies à l'horizontale chez nous en bord de littoral et puis des maisons qui vont plutôt avoir un peu de neige en hiver si on est dans la région lyonnaise, la question de la sensibilité à l'érosion de l'eau, elle est complètement différente. Et on l'a vu, j'ai évoqué tout à l'heure cet artisan autrichien qui est venu s'installer en Normandie et qui a fait ce bâtiment en pisé que je vous ai montré. Il a fait beaucoup de rénovations de maisons en bauge avec des enduits terre
très faiblement stabilisée ou juste protégée avec de la caséine, en se basant en fait sur sa pratique en Autriche avec un climat continental beaucoup plus sec finalement et avec moins de problématiques de pluie battante. Et il a eu pas mal de soucis sur ses premiers chantiers avant de finalement accepter de passer à des enduits chauds parce que voilà, cette technique adaptée à une région ne convenait pas à la nôtre. Donc la question du débord de toit, c'est vraiment une question en fait de conception architecturale qui doit se baser sur le matériau. Et c'est aussi un peu ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants en école, c'est-à-dire à les déformer un petit peu, c'est-à-dire pas concevoir et ensuite chercher le matériau. C'est à partir du moment où vous utilisez un matériau, c'est aussi ce matériau-là qui va guider une partie de la conception architecturale. Et à partir du moment où on sait qu'on a un matériau sensible à l'humidité parce que pas assez d'argile, ben on va faire un mur plus épais, on va peut-être le faire en intérieur ou le protéger par un bardage ou un enduit. Enfin voilà, on va adapter la conception en fonction du matériau. Donc, il n'y a pas une réponse absolue et définitive sur le toit, si ce n'est qu'il faut protéger le dessus. Ça, c'est clair. On ne laisse pas un mur en terre, en tout cas en Normandie, sans protection sur le dessus. Par contre, la question du débord, elle est vraiment très dépendante de différents facteurs. Justement, quelqu'un avait vu à Renon, donc en Bretagne, un mur qui était protégé non pas par des pierres, en tête par des pierres ou autre chose, mais par de la végétation. Il avait été planté sur son dessus pour le protéger, on imagine. C'est une possibilité, pourquoi pas. Si on ne tient pas à avoir un mur qui dure 200 ans, c'est une possibilité. J'ai moi-même des murs en bauche sur notre chantier école sur lequel on forme les artisans, donc qui sont des murs qui sont rarement protégés parce que je n'ai pas le temps de revenir faire des couvertures après les formations. Et donc ce sont des murs qui sont exposés aux intempéries. Bon, ils peuvent résister un an, voire deux ans à des pluies battantes. À partir du moment où on conjugue pluie et une petite gelée le matin, bah, là le mur se dégrade beaucoup plus rapidement. Donc voilà, si une protection végétale, pourquoi pas, elle va quand même limiter la durée de vie du mur sur le long terme. Okay. Est-ce qu'on peut parler des caractéristiques acoustiques des murs en terre? Tu en as parlé dans votre bureau. Je n'ai pas forcément beaucoup de données là-dessus, de données scientifiques en tout cas. Il y en a assez peu de disponibles à ma connaissance. On sait par contre que c'est un matériau qui a globalement quand même par sa masse, un très bon comportement par rapport à bloquer la transmission des bruits aériens. Après, la question de la réverbération dépend principalement de la manière dont le mur a été réalisé et de sa matérialité en surface, donc de son côté plus ou moins fini, plus ou moins lisse, qui va réverbérer plus ou moins les sons. Donc un mur en bauche traditionnel chargé un peu de paille avec des creux liés aux cailloux qui sont tombés au redécoupage, etc. Bon, ça c'est un mur qui va avoir tendance à plutôt bien absorber les sons et éviter la réverbération. Par rapport à un pisé très fin dans un coffrage tout neuf et bien huilé, donc il va avoir une surface très, très brillante, très finie, là la réverbération sera plus importante. Ou par rapport à un enduit terre, ça va être un peu la même chose. Donc il faut distinguer la réverbération de l'amortissement aphonique. Et là, on a des comportements plutôt, plutôt bons. Le mur en bauge que je montrais sur nos bureaux est très, très efficace de ce point de vue-là. Les collègues qui travaillent dans les bureaux qui sont derrière ce mur-là ne perçoivent absolument pas le bruit du trafic qui peut être très, très, très perturbant. D'accord. Il est possible d'adapter la technique des constructions en terre à des petits objets. Design, un mobilier urbain. Alors c'est possible avec toujours la réserve de l'exposition aux intempéries et de la protection.
Mais il y a pas mal d'artistes, de designers qui travaillent sur cette question-là. Vous pouvez aller regarder les résultats de concours organisés en Italie, donc un petit concours qui a lieu presque tous les ans quand il n'y a pas de crise sanitaire, mais qui s'appelle le Teramigaki, et donc qui permet d'exposer un certain nombre de projets de design créés à partir du matériau terre, et qui sont en général exposés à la Biennale de design de Milan, donc qui sont voilà, des expériences. Amaco travaille aussi pas mal sur cette question-là et a fait pas mal de réalisations de mobilier, de scénographie utilisant la terre comme matériau. Il y a assez souvent aussi des aménagements de bars, de comptoirs qui sont réalisés en pisé. Et puis, il y a aussi tous les poêles, les poêles de masse qui peuvent être réalisés en pisé. Et vous avez de très beaux exemples, notamment réalisés par Martin Rauch, qui vend même ses poêles préfabriquées en pisé. Une question de Marie qui revenait sur la protection des murs en terre. Faut-il les protéger pour éviter qu'ils s'effritent? Je pense Ça dépend, réponse de Normand, mais voilà, ça dépend toujours de cette question de la conception et de la qualité de la terre. Moi, j'ai un mur en pisé, donc les murs en pisé de la maison sont exposés plein sud-ouest, sans aucune protection, si ce n'est un brise-soleil à lame ajourée qui les surplombe sur 1 mètre. Et ces murs en pisé-là se sont très légèrement érodés en surface, mais n'ont pas perdu 3 mm, quoi. Et donc, se comportent très bien, mais parce que j'ai une terre qui est particulièrement chargée en argile et de bonne qualité. Donc voilà, c'est très variable. Très bien, merci. On approche de la fin de. Enfin, on a même dépassé le temps, mais c'est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Martine. Non, Martine, c'est. Est-ce que tu as le nom de la personne pour les poêles de masse, l'architecte? Alors, il est artisan, mais donc il faudrait les faire venir enfin, il est même céramiste à la base. Donc, c'est Martin Rohr, je le prononce à l'allemande, mais avec l'accent français, ça fait Martin Rauch, donc Rauch à la fin. Et vous pouvez voir ses réalisations sur son site internet qui est Lehm Tone R2. Donc, Lehm, Lehm, Tone, Ton, et R2, RDE. Donc, vous avez ces réalisations qui sont assez exemplaires. Mais c'est du pisé, il faut laisser tomber le pisé. Faut passer à la Beauge. D'accord. Question de Corentin qui demande si les artisans locaux savent sûrement faire ça. Ah, les poêles de masse, on imagine. Pas forcément tant que ça, parce que sur les techniques de poêle de masse, il y a aussi toute la question de la circulation des fumées, etc. Donc c'est vraiment un savoir-faire particulier. Et la plupart des artisans chez nous n'ont pas forcément ce savoir-faire-là. Donc voilà, c'est une technique un peu particulière. Mais par contre, on peut assez facilement apporter de la masse à un poêle plus conventionnel. Donc faire un entourage d'un poêle en fonte avec des briques de terre ou autre peut permettre aussi d'améliorer les performances et le stockage de chaleur. Tu peux nous dire un petit mot sur le béton de terre? Que dire sur le béton de terre? Oui, c'est toutes les expériences que j'ai montrées en terre coulée, hein. Alors ça, c'est les quelques expériences normandes, mais il y en a beaucoup qui sont développées en ce moment sur la région Rhône-Alpes, hein, pour les essais expérimentaux. Je crois qu'il doit y avoir des brevets plus ou moins en cours sur Lyon pour justement des stabilisations plus naturelles que le ciment. Donc il y a beaucoup de recherches menées là-dessus. Il y a pas mal de petits chantiers expérimentaux qui ont déjà été réalisés sur la région grenobloise. Et c'est une recherche qui est menée même au niveau national, au niveau international, il y a pas mal de choses, notamment en Corée, qui travaillent également sur ces techniques-là.
Donc, c'est vraiment des recherches qui sont en plein développement actuel, là aussi pour une question de facilité d'usage et bon, comment dire, dépasser en fait le strict tissu des entreprises avec un savoir-faire très spécifique et pouvoir en fait disséminer l'utilisation du matériau sur des entreprises plus conventionnelles. Très Après, bien. je ne sais pas si c'est souhaitable, ça c'est un autre débat sur le plan philosophique, mais voilà. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Bon. Je pense qu'on va conclure si vous en êtes d'accord. Je pense que le sujet est tellement passionnant qu'on aura l'occasion d'y revenir sur de futures éditions. Voilà, merci beaucoup François pour cette De riche rien, c'était un plaisir. conférence, voilà, très instructive, très intéressante, très inspirante J'espère, sur ce j'espère pour matériau nous. vraiment voilà, qui parle à beaucoup, à tout le monde, quoi. On a tous, je pense, côtoyé des bâtiments en terre. Et ce matériau, voilà, on a envie de le toucher à nouveau dans nos projets, tout simplement. Eh bien, j'espère avoir l'occasion de pouvoir en voir beaucoup d'autres émerger ces prochaines années. Bon, c'est ce qu'on nous souhaite, c'est ce qu'on se souhaite. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence ce soir à cette quatrième conférence. Et puis, voilà, à bientôt sans doute pour de nouvelles à venir. Il n'y a pas de date encore fixée, mais on va y travailler pour vous proposer d'autres thématiques. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Et merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.